Salut YouTube, bienvenue. On se lance dans la première grosse campagne coop. On fait une petite soirée test en one shot aujourd'hui avec Alpha, JDG, Marmotte, Sansu et Eventis. Cinch. Ça va être le gros bordel. Et chacun prend sa faction. J'ai pris aussi Shrek. Moi j'ai pris les ogres. Oui, j'ai pris Grissus. Ah, double Shrek. Chacun sa faction. Double Shrek. J'ai aucun enfer. Chacun pour soi. Chez Slanesh, j'adore. La diplomatie est ouverte, mais ça va surtout être le bordel. J'ai des anti-armes, mais ils sont en mousse, quoi. Les ogres, quand tu les affrontes, ils font trop mal, quoi. Ils ont que des larges, c'est que des monstres. Écoute ce petit rire amusé de ma... Oui, mais par contre, on est au milieu, alors je sens qu'on va en prendre plein le fion. Allez, en attente des PC d'Eventis sans sushi et MS Marmotte. Voilà. Je pointe pas de doigt. Hein. Quoi? Oh. Là, je lui demande un truc et il codait pas là. Je pointe aucun doigt, mais on vous attend. Voilà. Ouais, ouais, bah peut-être qu'on aurait pu commencer plus tôt si quelqu'un était arrivé à l'heure. Mais ça suffit là, t'es le gamin là. Ah non, moi je suis à côté de Marmotte. Marmotte, seriez-vous un ogre vous aussi? Je suis à côté. Oh, putain, je suis à côté de qui moi? Je suis à côté d'un mec vénère. On est à côté, non? Allez. Attendez, je suis à le bout de la map moi! Comment ça? Non, j'y ai cru aussi, mais en fait, non, je sais pas pourquoi il nous affiche un truc au milieu de la map, mais ça compte pas. J'ai bugué full, j'étais là, mais what the fuck, pourquoi je suis si loin? T'as pris qui toi, Alpha? Snekarisama. Ah. Ok. Ah oui, donc toi t'es dans le sud. Y'en a un qui a pris Katé finalement, ou tout le monde a eu peur d'être la merde du jour? Les PC de merde d'Eventis et sans sushi, bonjour à tous. C'est si alors, contrôler des colonies pour gagner des points de victoire et remporter la partie. Chaque colonie possédée génère un point de victoire par tour. Le premier joueur à atteindre 40 est déclaré vainqueur. Si aucun joueur n'arrive à atteindre 40 d'ici le 30e tour, alors celui possédant le plus de points gagne la partie. En cas d'égalité, la partie continue jusqu'à ce qu'un joueur commence son tour en possédant plus de points de victoire que les autres joueurs. Ok, donc en 40 tours max, c'est plié quoi qu'il arrive quoi. 30, même pas là, parce que genre là, maf, je suis à portée de t'attaquer au tour 1. Littéralement. Genre, c'est vrai. Fred, il va falloir qu'on se décide immédiatement si on veut aller dans l'onglet diplomatie. Sachant que Marmotte est très belliqueux, hein, on l'avait vu la dernière fois. Ouais, ouais. Ça dépend avec qui. Putain, mais Eventis et Sansu, qu'est-ce que c'est que ça? Vos PC, au secours quoi. Ouais, c'était les jeux sur SSD. Hein. De charge. Non, mais qu'est-ce que ça reste de KT? J'ai plus de place sur le SSD, moi. Lui. Moi, j'ai pas de SSD. À l'est, KT, c'est Nippon. Non, mais c'est. Tu veux dire dans la map du jeu normal? Oui, dans le lore de Warhammer. Ah, dans le lore. Bah, Nippon. Vraiment, il y a vraiment un pays qui s'appelle Nippon qui au Japon. Oui, bah Snitch, le maître assassin Snitch des Skaven du clan Eshin, et ils sont full entraînés au ninjutsu et tout chez les Nippons. D'accord. C'est pour ça qu'ils ont des techniques de rats ninja. Très grosse imagination de la part des scénaristes. Bah, attends, il y a quoi à l'ouest du truc qui ressemble à la Chine? Japonia. Japonia, la Nippon. et ce qui est marrant, c'est que pas très loin, il y a India aussi. Oui, voilà. Bizarrement, au même endroit que l'Inde, incroyable. Ok, Eventis, bientôt. Ça va réussir. On y croit, Eventis. Moi, j'y crois. Comme ça, à tous les tours. J'y crois, moi, Eventis. Moi, je sais pas, je vois la map, mais bon. Ah, ça y est, c'est parti. C'est l'homme Taïwan, non, pardon. Tu veux dire le Chinese Taipei? Oula. Oula. Alors, comment joue-je? Ok. Alors là, ça va lancer des attaques. Faites vos trucs de gestion avant d'attaquer, hein. Calmez-vous, hein. Calmez-vous. Il faut discuter. Alors n'oubliez pas de regarder, vous avez une sorte de boîte mail en bas à droite avec l'onglet diplomatie. Vous voyez les messages quand il y a des négociations ouvertes pour vous. Oh putain, mon ordre public déjà en PLS, j'ai envie de canner. Ah oui, on commence vraiment avec du solide. Hein. Oh. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais, on commence avec des trucs de ouf, vous dites? Pas convaincu moi.
Moi, je suis pas convaincu, je vous le cache pas. Tu l'as pour tout le monde ou. ou pas. Vite fait. Victoire ouais. Des ténèbres, mission envoyée. Ah voilà, c'est ça. Bien, si aucun joueur n'arrive à atteindre 40 points d'ici. Ah oui, 30e tour. Ouais, c'est vraiment une soirée hein, si on traîne pas trop. Promiscuité déviante. Allez hop. Je peux pas l'accomplir. Là, c'est bien de lancer une construction dans chacun de ces trucs ou pas? Bah, vaut mieux, ouais. Ouais, le... dans chacun de ces trucs. Easy. Ah, je sais pas, j'ai plein de slots de construction. Ouais. Ouais, bah, focalise-toi sur des unités militaires correctes et du revenu. Hein. Le reste, je crois que t'auras pas énormément besoin. Du revenu. C'est vrai que la croissance, là, ça sert à pas grand chose, du coup. Ouais, non, t'as pas besoin, clairement. Est-ce que ça vous intéresse, cher Eventis? Ça y est, ils sont déjà en train de... Ça commence. Alors, une négociation. Je te cache pas, je sais même pas où sont les messages. C'est en bas à droite. Il y a un petit bouton de négociation en cours près du bouton de diplomatie. Oui, attends. Je suis... Attends. Mais attends, cette campagne je me fais enfler avec quoi? Parce que moi je peux pas les prendre les colonies, je peux juste les détruire. Bah si, tu peux les prendre. Hein. Ouais, mais il me faut des crânes quoi. Ah oui. Faut taper. Ah oui, je. D'accord. Il y a un mec qui a tous dans mon mur. On a tous qu'une ville là? Oui, ouais. Tu peux accepter mon offre, Ventis, tu l'as vu ou pas? Alors j'attaque l'IA, ne vous en faites pas. On va voir ce que ça fait, tiens, si j'attaque l'IA. Est-ce que vous pouvez rester sur la map? Action ou... en attente, un autre joueur est en train de jouer. Oui, c'est normal. C'est normal. Ça c'est quand on lance une bataille, ça fait ça. C'est normal. Là, voilà. Faut juste attendre qu'il fasse le truc de bataille de réseau sur auto et voilà. Mais s'il fait la bataille, ça... Il fait la bataille, on va la jouer et on peut incarner l'ennemi, on peut l'aider, on peut faire ce qu'on veut. Ah ok. Ouais, donc ça veut dire que dès qu'il y en a un qui va jouer une bataille, il y en a 7 qui le regardent ou qui... Ou qui joue contre. Qui joue contre. Bonne ambiance. Ouais. Ok. Oh la vache, tous les recrutements je peux faire, laisse tomber. Ah mais on commence avec masse thune. Ouais. Ok. Bon bah moi j'ai fini mon tour. Quelle a été ta réponse mon cher Eventis? Oui. Elle a été positive, merci à toi mon cher. Je dois réfléchir. Contre-offre, je demande 8000 euros. Désolé. Oula le lag. Où est-ce que vous allez, monsieur Sans Sushi? J'ai trop envie de voir ce qui se passe sur la map à côté. Je vois que vous vous approchez dangereusement. Marmotte, il fait des trucs. Putain, il a deux armées, Marmotte, d'entrée de jeu. Ah, mais c'est toi, ça? Bah, Wang Chang, c'est à moi, oui. Oh. Ah oui, Kairos, il est juste en face sans sous. Mais pourquoi... Putain, mais... Cimetière de terre cuite, regarde, ça, c'est bien pour toi. T'y seras bien. L'avantage c'est que j'ai vite compris où est-ce qu'étaient les trucs de diplomatie. Très important. Et là vous voyez en fait qui a fini son tour en haut à gauche. Donc là il y a Maf, Marmotte et moi. Et vous êtes encore trois à pas avoir fini le tour en gros. En haut à gauche. Ouais, enfin dans la liste des joueurs il y a un petit checkmark. Moi je l'ai pas, ça tient. Ah ouais? Ouais. Oh, c'est bizarre. Ah ouais?
Ah si, il faut. Il faut le réactiver. Putain, mais je suis trop con. Ah oui, tu peux le masquer avec le bouton, effectivement. Bon, je me mute 30 secondes. Alors, comment qu'on va la jouer, ça, les petits amis? Bon, Marmotte est à côté de moi et on est au centre, Marmotte et moi. Tous les autres sont un pourtour et nous deux, on est au centre. Je crois que si on s'associe pas un minimum, on va se faire attaquer de partout, ça va être un enfer. Donc je pense que Marmotte a compris que c'était mieux pour nous d'agir un peu de concert. Tu dis first try. Hein. Je viens de prendre beaucoup de points pour buffer les Ferox et les broyeurs. On va en prendre quelques-uns dans l'armée, histoire d'être bien. Il y en a beaucoup, beaucoup des prononciations de ce dieu. Et on va voir. Bon, on va. Ah, bien sûr. Alors là, vous avez. En vrai, il y a que 100 sous de ton côté. Sur la map. Là, vous avez Eventis. Oui, parce que personne n'a pris Katen. Là, vous avez Fred. Il y a Sansushi. Là, vous avez Sansushi. Bah, Fred est juste à droite. Avec son armée qui est ici présente. Là, vous avez Maf. Alpha est là. On est quand même pas loin, les amis. Maf, je sens qu'il va s'allier à Marmotte. Quoi? Mais non, on va se manger entre nous. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a Marmotte qui est juste à côté, littéralement. Mais attends. Ah oui, tiens, ça me fait penser. Est-ce qu'on peut voir les pactes des autres? Bah oui, dans la diplomatie, on peut regarder qui s'associe à qui, de toute façon. Tout à fait. T'es vu. Je suis pas censé avoir une barre qui me dit si je l'éclate ou pas, moi. Laisse ta souris sur le bouton auto-resolve et ça va te dire si t'as des pertes hautes ou faibles. Attends, mais... Ça me le dit. Normalement, ça le dit. Si, ça le dit quand tu fais... C'est écrit en tout petit en bas. Il doit avoir marqué estimation moyenne. Ah voilà. Ah, c'est perte moyenne, c'est pas terrible. Et ça clignote en rouge, c'est que tu perds totalement une unité, sinon ça veut dire que tu vas juste perdre beaucoup d'unités dedans. Alors par contre, sachant que Nurgle, si t'attaques une ville, c'est très très chaud de gagner les batailles en manuel sur Nurgle avec une ville, enfin sur une ville avec Nurgle. Ouais, il y a résolution autour. Parce que t'as pas beaucoup de mecs qui peuvent grimper surtout les murs. Tes porte-pestes avancent à 34 oui, de vitesse, mais non, ce qui c'est fait pas pour grave. Aller chercher les trucs, tu galères. Ils vont tous s'associer entre eux. Arrêtez de tirer, oh, s'il vous plaît. Tiens, finissez le tour. Oui. C'est si long. Je suis désolé, hein, mais là... Ah, ça aurait été bien de jouer avant en fait, gars. L'aide. Il reste ça, qui ça. Oh, bah, je coche plein de trucs et puis bon, ça ira. Lance les construits, frérot. T'es où, toi, Eventis? Tu commences où? Ah, mais Fred, faut que tu recliques sur fin de tour. Allez, let's go. Fin du premier tour. En moins de 10 minutes, les amis. Oh, putain, ça passe vite, du coup, là, les tours. Ah mais les technologies sont beaucoup plus rapides aussi, c'est un tour par les technologies, c'est un tour pour les débloquer. Ouais. Ça c'est cool ça. Waouh, tout va vite. Ah oui, ok. Oh boy. Oh, ça va chercher Snitch. Oui. C'est mal la taille du rat. Ouais bah le rat il dégage. Ah oui. Ah oui! Ah oui, il n'y a plus de rats du coup! Putain! Allez hop! Ça jarte! Ah ouais, d'accord. Hop! Ça jarte le rat. Est-ce qu'on a des bonus d'ordre public pour. Ah non! Ouf! Il y a Fred qui a fait jarter les orques, je crois. Ok, alors. Ah, et puis j'ai l'impression que le pexing il est vénère. Ouais. J'ai pris 4 niveaux d'un coup. Moi j'en ai pris 3 là. Ouais. Mais là j'ai niqué une armée qui était sur le territoire, du coup je peux prendre la ville tranquille ou. Si en fait si y a toujours la ville en fait elle a une garnison. Donc faut que tu détruises la garnison de la ville avant de la prendre.
Le start démon est pas ouf sur cette carte. Bah, il a l'air, la carte elle a l'air vraiment petite en fait. J'ai l'impression qu'on va très vite être aux frontières les uns des autres. Oui. Dans tout ça. C'est fait pour hein. Ouais. Ouais. Fred qui a déjà sorti deux armées, il faut que j'en sorte une deuxième aussi. Il y a un souci, Ventis ? Non. Ok. Ça c'est le truc un peu pas ouf je trouve avec leur système, c'est que dès que quelqu'un lance un truc, ça bloque tout le monde. Oui, en fait, dans la game. Moi je suis d'accord, c'est chiant. C'est un peu relou ça. C'est bien que ce soit un peu plus nerveux là-dessus. Je vais aller au cimetière de terre cuite. C'est dans la même province que celui-là. Qui... Bon, après, je serai proche de 100 sous. Bah, faudra bien qu'on se rentre dedans à un moment donné. Maf a déjà deux armées. Non, c'est un campement l'autre. Ah, ok. Et pas peur. Pas joué, Ogre, hein, je sais pas. C'est une espèce de ville si tu veux, mais sauf qu'on peut les placer où on veut. Ah, ok. Et elles ont une armée intégrée ? Ouais. Okay. Ah, c'est comme les caravanes de KT. Bah, sauf qu'ici c'est statique quoi, tu te déplaces ouais, pas. Mais tu peux attaquer avec ou c'est juste. Non, c'est vraiment juste une ville. C'est, ouais, okay. On peut pas se déplacer, je peux pas attaquer. Les buffs, la pointe d'acier, vu qu'ils ont une bonne défense, ça me paraît le bon choix pour avoir un truc un peu costaud dans la garnison de ça. Faut surtout pas que je perde ce campement, sinon ça va être la cata. C'est mon recrutement principal. J'hésite à jouer avec... je crois que je vais jouer avec une armée pour Gressus et juste ça. Juste, donc pas faire de deuxième armée mobile, une seule devrait suffire. Il manque plus que Maf. Sorry. Non, chacun pour soi là, on n'est pas en équipe. Enfin du moins pas complètement. Pas officiellement. Hein. Pas encore officiellement. Les négociations sont ouvertes. Désolé. Aïe. Bah non, bah désolé. Désolé, c'est bien ça. Non, c'est bien ça. Il dit désolé en mode je vais bloquer tout le monde. C'est bon. Bah oui. Non mais c'est pas quelqu'un, c'est pas hostile. Pas qui le fuck. Pas qui c'est, on s'en fout. Hop, tapez. C'est chaud aller chercher. Après, le cimetière de terre cuite, j'ai envie d'y aller, cette cinch, il y a une petite armée dedans, il y a 15 y a unités en garnison. Con, là. Au secours, on part pitié, pas de peste. Pas de peste. Ah si, Ventis il va laver le terrain avec ses pestes lui. Il va en mettre partout. T'as fou. Ah, ça va être trop chiant. Ah oui, il a déjà commencé, trop casse-couille. Bah tour 1, moi j'ai lu, j'ai fait ça a l'air drôle, j'ai balancé. Tour 1, peste. Hop. Marmotte, t'as pas de micro. Comment ça? Mais si. Oui, mais même le recrutement global, c'est un tour, ça coûte juste cher. Ouais. Les batailles se jouent comment? Non, pas uniquement en auto, on peut faire un peu comme on veut. Ici, c'est au choix. Soit on fait, pas mais ça se paramètre au début de la campagne. Les unités à recruter côté Stanesh. Ah, les maraudeurs, c'est y a rien de plus fort que les maraudeurs. Ah, les maraudeurs, ah ouais, vraiment, c'est marrant. Non, en vrai, les maraudeurs au Knut, c'est le truc le plus tanky que t'as, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah, les maraudeurs au Knut. Bah, les démonettes, avec leur défense de mêlée, elles se défendent quand même. Hein. Tout le monde attaque l'IA pour le moment, personne n'ose. Personne n'ose le on premier. On se tourne autour. La première baffe. Oh, mais oui, mais la corruption, ça va être un enfer, ça. Non. Toi, bah, en vrai. Bah, franchement, ça va. En vrai, ça va.
En vrai, bon, ça change la couleur du terrain, mais en vrai. La marque, ça va. De mon côté, ça le rend plus joli, je trouve. C'est des couleurs plus gaies. Plus... Ouais, moi aussi, c'est très gai. Ça donne le sourire. À son sou avec la corruption de Elle était à moins. Ça y est, ça va se foutre sur la gueule. Ah, premier casus belli. On est trois autour d'une ville. C'est assez problématique. Ah. Ah, c'est cocasse. Où ça? Nonchang. Il y a. Nonchang. Ah mais... La prononciation, alors, je vous laisse. Nonchang. Je vous la laisse. En fait, je l'avais déjà défoncé, mais je sais pas pourquoi elle est encore là. Je comprends. Parce que t'as pas fait occuper. Il y a des crânes. T'as pas fait raser ou pas fait. Hein? Bah oui, il y a des crânes. Juste piller. Ah oui, là, ça va être à celui qui clique le plus vite au prochain tour, là. Ah oui, c'est les crânes pour Fred qu'on voit. D'accord. Bah c'est que, de toute façon, c'est pourquoi qui clique le plus vite? Il n'y a que moi qui m'en sers des crânes. Ouais, ouais, mais je les vois. On les voit. Oui, on oui, les voit, vous les voyez tous, mais je veux dire, à part moi, personne n'a rien à foutre. Ah ouais, non, mais en voyant le truc, je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? On dirait des trésors terrestres. Ouais, il n'y a plus de trésors terrestres. Terrestres, il n'y a jamais eu. Oui, non, maritime, il y en a encore. Ouais, maritime, il y en a. Okay. Mon cher Eventis. Ah, ça passe. Ah, c'est bon. La colonie a reçu une peste. Moi, j'ai envie de canner, tu casses les couilles, Eventis. Vraiment. Hein. T'es un trop chiant, quoi. Putain, casse les couilles. Mec, j'ai pas la moindre idée de ce que je fous. What am I doing? J'ai aucune idée de ce que je fous là. Allez, ça dégage. Je crois que je vais attaquer les mines de Nanyang finalement, parce qu'avec l'armée de Tsinch là, ça va être trop coûteux. C'est trop bizarre, je peux pas m'approcher. Ouais, en fait, il y a certains prompts pour des joueurs qui bloquent tout pour les autres. Là, maintenant, tu peux déplacer des armées. En plus, ça me reset le mouvement. C'est pas complètement au point, leur truc. Non. Ouais. C'est tour simultané, joueurs, mais avec tout, pause. Ouais. Mais ouais, ce truc-là, faut que ça dégage. Genre, ça a pas de sens que ça reste comme ça. C'est relou. Oh, j'ai hâte de leur présenter hystérique. Ça. Oh, la attiré pression par la à distance. Oh oui. Ah. Il est là, lui. Tyrant of the tribe. Ah, effectivement, les niveaux c'est 4 par 4. Hein. Ah non, 2 ici. Oh, tu la prends ta ville de merde. Dépêche-toi. Hein? C'est trop mais long. Bah non, mais je suis assiégé. Je l'assiège là, c'est bon. Non, je sais pas. Je sais pas. Non, si t'assièges, soit tu l'attaques tout de suite, soit tu contournes en fait. Le DL est fini. Ah ouais, une trauma. Mais ouais, on l'a lancé là du coup. On peut pas faire venir un joueur en cours, je crois. Enfin, je pense non, on peut pas. Ça m'étonnerait. On peut pas. Pas pour une next. Et là, on est un peu en mode bêta testeur. Ouais, bah c'était un peu le but de la soirée. Hein. Oh oui, clairement. Et encore, là, on est 6. Hein. Imaginez à 8. Ouais, c'est clair. Alors, je vais mettre mon point de level up. Action d'attente. Alors là, du coup, je vais. Action d'attente. Ok, je peux pas jouer. Je peux rien faire, je deviens fou. Pitié. J'ai passé, non? Ouais, c'est bon. Je vais faire. Ouais, mais en fait, des fois, faut recliquer, ouais. En fait. Non, moi, c'est bon, il manque sa sushi, là. Ok. Alors, donc, au point, pour l'instant, nous avons Alpha et Fred qui sont devant. Hein. Je dis ça à des fins, évidemment, diplomatiques. Bah, super. Littéralement, tour 2. Les tour 2, l'autre, là, c'est bon, là. C'est bon, là, il nous regarde avec ses yeux goulus. Ça suffit. Hein. Let's go.
Ah merde, une caravane, et du coup si je l'attaque et que sa caravane est dans... Oui. Bon du coup si on doit déclencher une bataille, on fait quoi? La régène elle est inexistante chez Gorn. Go la jouer hein, et là on voit ce que tout le monde décide de faire. Oui vas-y. Vas-y si tu dois la jouer go. Ah bah moi je dois la jouer c'est sûr. Ouais bah faudra bien le faire. Toutes les villes si, autour vas-y. De moi il y a une armée dedans donc. Vas-y. Bravo Eventis. C'est une victoire pour Eventis. À la limite terminez vos tours et je déclenche en dernier. Je vais attendre encore un tour parce que la caravane va partir du coup. Très bien. Nekali-sama. Ça c'est quoi? Ah c'est bien ça quand même. On doit y avoir des starts bien optimisés n'empêche. Je pense. Dans ce mode. Ah si, c'est toujours le même pattern, ouais. Là, je vois déjà des petits starts niveau choix de technologie qui peuvent un peu changer la donne. De manière intéressante. Ok. Bah vas-y, sans sou, hein, si tu dois faire une bataille. Hein. C'est bon, tout le monde a fini? Moi, j'ai fini mon tour, ouais. Ok, bon là, je déclenche. Oh non! Quoi? Victoire de justesse, mais perte faible. Ah bon, on va arranger bataille ça. Bataille de ville, flemme de fer. Ah, faible, on allait va. Arranger ça pourtant, on allait te faire des pertes ouais, lourdes là. Ouais, j'avoue. Ouais. Dommage. Ouais, c'est con, hein. Ah putain. Ah ouais, j'avoue, tu confies tes troupes à un des joueurs et le joueur fait nimp avec en mode ma main, j'ai mal le micro, désolé. Oh. Oups. Oh le chien, quoi. Petit spell balancé au milieu de la ligne. Oups, oups, l'abîme de noirceur dans ton blob, j'ai pas fait exprès. T'as tes cas les sorts, je savais pas. Oh le pire quoi. C'est bon? Bah moi c'est bon ouais. Hop. Moi ouais, faut recliquer sur fin de tour des fois, c'est assez bizarre. Ouais, juste que je mette sans sous maf et 26. C'est bon pour moi. En sous. Hop. Why not? Je sais pas que... Sans sou, t'as déjà des garnisons de ouf dans ta ville. Ah bah j'ai full upgrade la défense. Hein. 50 nuances de violet. La bagarre. Ouais, t'allais cliquer sur un truc, m'a fait ça. Mais, mon armée était en route pour déclencher la bataille et c'est fait juste avant. Secours. J'en ai plein le cul de ce truc qui attaque. Attention. Tire en ouf. Secours. J'ai envie de crever. Faut être rapide. Hein. Ah ouais, l'action en attente, il rend dingue. Hein. Limite. Surtout qu'on peut même pas continuer. On peut rien faire, c'est trop chiant. Faut qu'il change ça, hein. C'est terrible. Hein. En fait, je comprends dans le sens où ils veulent pas que il y ait des joueurs qui rejoignent la bataille pendant que ça a déjà été lancé, sinon ça fout le bol. Chacun son tour. Moi, j'attends juste moi. En fait, c'est des tours simultanés, mais où t'attends ton tour quand même. Ouais, c'est ça. c'est vraiment ça. Finalement, est-ce que les tours différés du 2 étaient pas mieux? Alors, je pense que là, si on avait autant de joueurs dans le 2, les amis, on n'aurait pas fini le tour 1 là. Bah, avec un timer limite. Ouais. Pourquoi il a pas de régène ce couillon là? Voilà, régène nulle. Dégoûte. Ah
C'est fou. La Nurgle, il a mis 100 points de corruption en un tour. Fuck. Il a pété très fort. Et hop, corruption. Corruption atteinte. Et tout ça sans faire exprès, puisqu'il sait pas ce qu'il fait. Ah bah ça... Ah non, j'en ai pas la moindre idée. Par contre, il y a un truc horrible chez Korn, c'est qu'il n'y a aucune régène. Aucune régène. Ah, moi aussi, niveau régène, je galère. Hein. Je te cache pas, j'en chie aussi. Là. Moi, j'en ai pas. Je suis dans ma ville, j'en ai pas. Hein? Je suis dans ma ville, j'ai pas de régène. Alors, est-ce que ça serait pas à cause d'une peste d'un certain Non, il n'y a pas de peste. Un ordre public qui est en PLS complète, c'est pas à cause de ça? Non, c'est pas à cause de ça. Mais Korn, c'est peut-être à cause de Nurgle, hein. Non, je pense pas. Non, ça fait pas de... Quand t'es dans la ville, avec KT, j'avais des corruptions de ouf, et pourtant je régénais. Quand t'es dans ta ville, t'es censé régénérer. Non, c'est la faction qui est comme ça, je pense. En fait, plus ta barre de rage va monter, plus tu vas en gagner de la régène. Mais effectivement, au début, elle est pas folle. Mais en soi, c'est pas un problème de chacun des dieux du chaos en dehors de Nurgle. Ouais, c'est vrai qu'il y en a aucun qui régène vraiment beaucoup. Ah, la régène de Korn, c'est en territoire ennemi uniquement? Ah, c'est ça la mécanique de Korn en fait, faut tout le temps être chez l'ennemi. Ah bon? C'est comme ça que tu régènes. Mais c'est pas uniquement en territoire ennemi. Bah, je vois deux personnes dans le chat qui me disent ça. Elle est valable en territoire ennemi, ce qui est fort, puisque tu peux continuer à te régène même si t'es pas chez toi, mais c'est pas oui, exclusif. Oui, voilà, c'est pas exclusif quoi. Bah, essaye d'aller chez un ennemi, hein. Oui, j'y suis. T'es en guerre avec Sanchi? Ah, c'est pas que en ennemi, non, ouais, c'est aussi chez soi, d'accord. Oui, ce sera bizarre quand même. Le mec il est chez lui, il peut pas se régène. Dès qu'il met le pied dehors, ah, c'est bon les gens. Je vais bien. Il reste plus que Sansu et Maf. Qu'est-ce qui se passe côté Sansu et Maf? Non, c'est bon. C'est super joli chez Tsinch. Par contre, Fred, est-ce que tu serais pas en climat défavorable? Ah oui, je suis en climat défavorable. Ah ouais, là par contre. Là t'as des gros malus. Ah merde! Ah, ça coûte si cher. Tant pis. Valable, mais juste il a zéro corruption de Korn sur son territoire. Ah ok. Ok. Ah. Un autre joueur est dans la fenêtre diplomatie. Ah, c'est Sansu, War Redoutable, il te parle? Il y a Faltras qui vient me parler, ouais. Mmh. Ok. Ah, c'est intéressant, on voit à qui il parle. Il m'a demandé si j'allais bien. La famille, tout ça. Ouais, c'est ça. Alors, on fait des embuscades, Fred? Oui, j'avoue, tu peux les voir, les embuscades des autres. Non, là, moi, ça me l'a... Il y avait écrit détecté. Ok. Déjà une rébellion, tour 4. Pas mal. Pas mal du tout. Ah ouais, mais Sansu, il est... Sansu, il est... En train de prendre le dessus. De quoi? Bah t'as déjà du plus 4, t'as déjà 4 villes. Rien du tout. Quoi? Mais non. Par contre c'est vrai que l'ordre public j'ai l'impression qu'on va prendre tarif. Ouais, de ouf. Bah surtout si tu commences, parce qu'il y a des gens qui commencent avec une capitale de zone et d'autres, moi je commence avec une village de merde peut-être. Ouais. Ouais, ça c'est compliqué. Oh. Alors Marmotte, il fait quoi de son côté? On va te faire des trucs rigolos avec Snitch. Je me demande s'il y en a qui vont oser faire des alliances. Non mais pourquoi? Oh, la régène est à chier, ça me rend dingue, je sais pas pourquoi. Ah moi aussi. Ah c'était réparé, putain.
Je sais pas pourquoi Marie-Jeanne est sous lui. Nice. Il y a personne qui ose faire de vraies alliances parce que ça va se voir dans la diplomatie. Non. De quoi tu parles? Négociation en cours. Ah non, c'est moi qui suis dans le menu. Hein? Alpha, t'as déclaré la guerre à Fred en fait. Quoi? Non. Bah si, t'es en guerre contre lui. Bah c'est peut-être parce que c'est la neige corne. Ça c'est probablement pour ça. Ah, mais tu crois que par défaut c'est... Je pense que par défaut on est en guerre, ça c'est ça, parce que moi je t'ai pas déclaré la guerre. À moins que toi tu me l'aies déclaré. Bah non, je t'ai même pas ouvert le début le menu diplomatie chez toi en fait. Pas ouvert tout court d'ailleurs, je suis corne. Contre Katé. Ouvert la diplomatie du coup du tout, j'ai juste fait... comme mes sanguinaires. Vraiment les sanguinaires ça me rend fou. Ah oui mais c'est vrai que là j'avoue... Ah c'est Sansou qui nous a mis en guerre? Hein? De quoi? Non. Non, ok, je sais pas. Parce non, que toi, tu peux foutre la merde, non, entre les factions. Non. Ah, j'avoue. Pas du tout, non. Ah, j'avoue, celui qui joue Kairos dans cette campagne, l'enfer. Pourquoi je peux cliquer sur rien? Ah, ok, non, pardon. Je voulais cliquer sur un truc, mais apparemment, j'étais obligé de passer mon tour. Par contre, ouais, y en a qui sont déjà presque à la moitié de leurs points. Je dis ça, je dis rien. C'est super, ça n'a rien, ça n'a servi à rien, ça m'énerve. Ah, vous me dites que je l'ai faite sur l'autre armée en fait. Putain, sans sou, j'avoue que là, il décolle de ouf, hein. C'est terrible. Hein. Ah ouais, il prend le dessus, là. Ici, ouais, c'est terrible. Il est seul au nord, c'est pour ça. Heureusement qu'il y a Fred qui vient d'arriver au nord. Il va peut-être nous sauver. Fred, là, il pète la gueule aux loyalistes. Et la régène a éclaté au sol. Ouais, c'est ouf. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais, la régène est très inconsistante en fait. Surtout que je comprends pas, moi je suis sur un territoire où j'ai littéralement 100 de corruption. Et genre, mes troupes ne se régènent pas, je ne sais pas pourquoi. J'ai aucune idée de pourquoi elles se régènent pas, c'est extrêmement bizarre. Effet locaux, il y a écrit. C'est quoi l'effet local? Un bug, effet de pro... Non, c'est des effets désert, de province ou des trucs comme ça. Ah, c'est parce que je suis dans le désert. Tour avant que l'unité soit entièrement reconstituée, 28. Attends, j'arrive. Let's go. Ah non, regardez, je suis pas dans une zone de... Moi, c'est pareil aussi, attends. 10. Qu'est-ce que c'est que cette... Envie de crever, quoi. Par contre, c'est un peu chiant pour l'ordre public parce que c'est fait pour qu'on se tape dessus. Mais par contre, si on doit passer trois quarts du temps à gérer les rébellions, ça va être un peu casse-cou. Ouais. Moi, j'ai ordre public en positif. Hein, de pas adapté. Ah, c'est sérieux? Je comprends pas. Ah ouais, avec ta corruption, t'es free, toi. Ah ouais, mais tous les climats sont démons, t'as un gros avantage pour ça. Hein. Ah, et moi, j'ai des territoires qui sont pas bons non plus. Tous mes climats sont à chier en fait, moi. Ouais, c'est pareil. Pareil. Bah, en fait, c'est que c'est bien pour KT. En fait, s'il y avait quelqu'un qui allait jouer KT, il serait en mode c'est bien. Bah, je comprends pas. Très bien cette campagne. J'ai essayé en campement, ouais, en campement c'est pareil, aucune régène. Je trouve c'est un peu dur, pas de régène du tout, juste parce que t'es en climat inhospitalier, alors que t'es en campement, au secours quoi. Je comprends quand t'es en mode marche, mais en mode campement, please quoi, s'il vous plaît. Un minimum quoi. Prépondérance. Il y a un spawn de Slaanesh qui s'appelle Prépondérance. Yes. Ah, WoW redoutable pour Eventis. Hein? Bah, il te parle là. Ok frérot, oui. Ouais, c'est bien, ouais.
Ouais, c'est vrai que limite il devrait mettre climat favorable pour tout le monde partout. Bonjour Marmotte. Ne serait-ce pas une guerre de déclarer ? Oui. Oh, ça y est, ça va recommencer les choses sérieuses là. Greetings. Ah, nice. Ah, donc on peut voir ce qu'on... Ah, il veut la jouer. Ah, mais je la défends celle-là, mais avec plaisir. Ah oui, on peut choisir quelle équipe on rejoint. Oh, terrible. Ah merde, j'avais pas pensé. Ah, mais les alliances vont se faire, se défaire, ça va être terrible. Pour ne pas te... Pour ne rien te cacher, je ne pensais pas que c'était toi. Ah, vous allez tous soutenir le défenseur. Bah, victoire décisive, mec. Je viens avec toi, Marmotte. Oh, je ne te laisserai pas chiens. Tomber. Ils vont tous le soutenir. Même mon allié. Oh, ouais, d'accord. Ah, les alliances qui vont voler en éclats. J'ai pas séduit d'unité. J'ai pas séduit d'unité, merde. Je suis un abruti, j'ai oublié. On peut en avoir une chacun chez Marmotte. Ah, putain, bah, attends, Marmotte, c'est toi qui défends alors? Oui, moi je défends, oui. On m'attaque, je suis innocent. Ah, mais t'as pas grand chose, hein. Ah, j'avoue, c'est scandaleux. Surtout par des mecs, les tétons à l'air, là, c'est. T'as un problème avec les tétons à l'air? On marque côté ogre. Bon, les tétons démoniaques. Ça va être trop dur, par contre. Genre, je vais me faire full out micro, ça va être horrible. Sur une bataille de ville. Vous êtes quand même, vous avez tous pris son side, ça dégoûte, quoi. C'est même pas équilibré. Ça, par contre, c'est trop marrant parce que du coup, la fois d'après, ça risque de faire, tu vois. De ceux qui vont se souvenir, oui, mais t'avais pas rejoint mon équipe, alors je vais te défoncer. Ça va être trop drôle. Mais super. Ah bah après, on a rejoint Marmotte, c'est pas forcément pour le faire gagner aussi. C'est ça. Bah en même temps, Marmotte était fort désavantagé dans cette bataille. Tu sais comment on file des unités, Marmotte? Non, mais je vais découvrir, je pense que c'est comme dans le 1, c'est au moment du déploiement. Ouais, ouais. En à gros, c'est un bas à gauche. Et tu sais, sans sous, un nouveau PC bientôt. Ouais, sympa, c'est bon. Ah ouais, mec. Il y a une heure de chargement, là. Quoi. Bah écoute, on fait avec les moyens du bord. Hein, putain, surtout pour venir contrôler les unités contre moi, quoi, j'adore. Super. Bah non, je suis avec toi. Mais comment c'est ça, il y avait écrit soutenir défenseur. T'as le pire mate avec toi. Bon, ça, la PVP, je sais jouer. Non, bon, t'es vraiment avec moi. Bah tu sais jouer avec les nains. Non, mais c'est. Ah oui, t'es avec moi! Oh putain, c'est gentil, vraiment. Y'a pas de quoi. Waouh! Ça, c'est de la cave rapide. Vous voulez qu'on se switch pendant les batailles quand on fait ça? De canal audio? J'avoue. Bah, en vrai, niveau stratégie, c'est peut-être mieux de se oui. Split, quoi. Ouais. S'il vous plaît. Ah, après, le jeu pourrait quand même te laisser le choix de batailles, pas forcément de déplacer tes unités, mais de genre de micro-gérer tes trucs, j'en sais rien, de pouvoir regarder. Ouais, clairement. Attends. Je vous laisse tous donner des ogres. On a chacun 1000 de ravitaillement ou on est en ressources Non, c'est le total. De toute façon, il n'y a que Marmotte qui peut construire. Arrête de rigoler, ça me fait trop peur. Par contre, je sais jouer en PVP, mais c'est quoi ce mode de merde là? C'est une bataille de ville. Il va y avoir des tours. Bouge-toi, te fight pas ici, mec. Là, il y a une tour. On se switch? Va de l'autre côté. Ouais, je me switch. User was moved out of your channel. User left your channel. Moi, je dirais là, on est en infériorité numérique de ouf. Il oui. faudrait qu'on se fasse une défense de centre avec des tours. Hein. On défend au centre, on met full tourelle et. Ouais. Le centre en plus il autorise deux tourelles. Ouais, donc, ouais, clairement faut faire ça. Hein. De toute façon, l'idée non, c'est qu'elle. Pas construire, j'ai l'impression. Non, il y a que moi qui peux construire, mais l'idée c'est que c'est pas forcément gagnable cette map, mais l'idée c'est de. J'ai une armée à côté en fait, c'est de le saigner à fond, comme ça après mon armée, elle me disait ma rémé, elle arrive, elle se venge. Ouais. Ouais, ah ouais. Faible contre les armures, il a pas d'armure en face. Hein. Ah, c'est sneaky, moi, mes unités. Faut faire un maximum de charges de dos, etc. Alors, logiquement, on n'arrivera pas à faire de charges de dos parce que toutes ces unités vont beaucoup plus vite que les nôtres. Mais en fait, Sansou, toi qui as les gnoblards, vas-y, peut-être, hein, toi, t'as la chair à canon. Dès qu'ils s'approchent, englue-le avec tes gnoblards. Ouais, bah, bouge-les, tes gnoblards, parce que là, la bataille a commencé et tu... Ah oui, il a commencé, le fourbe. Ah ouais, oh, bouge, tes gnoblards là, ils vont se faire bouffer le cul. De là, on peut pas pinguer.
Ah, tu vas perdre une unité. Attends, mais moi j'en ai que 3, ils sont tous sur la place centrale. Non, mais c'est les miens, c'est moi, j'ai donné les bonnes unités, j'ai gardé la chair à canon, je suis à canon. Ils arrivent. Ok, ils capturent les points. C'est bien, ça laisse le temps d'avoir des points pour construire la deuxième tour et les barricades. Ouais. Il a pas de distance, il a pas d'archer. Là. Il a des chars, il fait basculer des chars côté gauche. Et il t'entoure avec tes décès démonettes. Il a 2 unités de cavalerie. On va essayer d'attaquer sur tous les flancs en même temps. Ouais. Sansou ? Ouais. Tu peux faire avancer tes Technoblars par là, s'il te plaît. Ta cavalerie, prépare-toi à la faire flanque peut-être. Pourquoi t'as une unité de... Qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils se mettent en place pour attaquer tous les côtés d'un coup. Oh, par contre, si on arrive à lui détruire vraiment des bonnes unités, genre les accroche-coeurs qui sont en train de s'approcher du centre, ça c'est beau. Hein. Ok, il est en train d'arriver là. Attention, si t'as une unité de... Si t'as une unité de... Voilà, là ici, cavalerie. Ouais, les accroche-coeurs qui arrivent. Vas-y, un sans-sou, accroche-le avec Technoblar, hein, hésite pas. Hein. Comme ça, moi, je charge à travers et je prends pas trop de dégâts. Green. Bah, t'as la chair à canon, hein, il faut vraiment... Ok. Tu l'accroches. Ok, parfait. Vas-y, englue-le bien comme il faut, je fais le tour. Puis je le défonce. Les tours vont quand même lui faire mal. Allez, le flank. Ouf, la charge dans le dos. Ah ouais, j'avoue. Elle m'a mis cher. Hein. Oh putain. Ouais, mais bah les rabatteurs. Bon, bah ça va déjà être la fin. Ils vont pas se reconstituer. Après, genre, on a défoncé la moitié des accroche-coeurs, rien que ça, c'est value. Ouais. Surtout avec le mauvais. La mauvaise reconstitution des troupes, hein. Tu seras tranquille pendant un petit moment. Aïe aïe aïe. Il y a beaucoup d'unités de cavalerie quand même. Ouais. Bon bah voilà. En vrai, il a perdu vraiment beaucoup de choses. Alors on est nul. Alors. MDR. Bande de salauds, va. Ils veulent même laisser prendre ma belle vie. Même à 4 contrats, t'as vu ce qui s'est passé. Tiens, on a même pas tué une unité en déception. Ouais, bah tant mieux. Ça m'aurait saoulé que vous m'en tuiez une. Aïe aïe aïe. 217 pertes, c'est pas ouf. Hein. Putain, Nekari, 123 de vitesse. Déjà vous. N'importe quoi, Nekari, la vitesse de cette unité. Ah oui, il faut les chargements, bien sûr. Allez, désolé. 586 secondes, let's go. Avant le ban de Mess Marmotte. Ok. C'est pas très bon. Je suis sur SSD. Let's go. Une bien belle victoire. Bravo. Du coup, t'es où ? Ah ouais, ah oui, d'accord.
Hmm. Ah, j'ai le bon vieux bug, bien sûr. Mon vieux bug de la musique qui ne s'arrête pas, c'est chiant. Ah bah décidément. Musique de combat qui ne s'arrête pas, c'est extrêmement casse-couille. Hein. C'est vraiment, vraiment relou. Ah non! Non! Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, il casse les couilles. Bonjour. Il était caché derrière la montagne, cet énorme relou. Un ogre caché? Non. Mmh. Attends, t'as combien d'armées? T'as combien d'armées, Marmotte? Il a beaucoup. De quoi? Comment ça? Il a une belle armée. Il a des cannibales, il a des ventres durs, des buffles. Il y a beaucoup. Il y a des broyeurs. Il a que des ogres. Ça va être chaud. Putain, je pensais pas qu'il avait la move. Tu t'étais planqué pour m'attendre là-bas? Pas du tout en fait, je voulais venir défoncer le rébellion à côté de ma ville et du coup tu m'attaquais avant. Merde. Combien de villes celui-là? Une. C'est sur mon territoire, ça m'intéresse quand même, mais ça va coûter très cher en troupes. Putain, j'ai pas de thunes, c'est un enfer. Ah, tu ramènes vraiment en plus lui là? Non mais putain, il ramène toutes ses armées, il en a déjà deux, j'ai envie de mourir. Quoi? Moi j'ai une armée, un de quart, et lui il en a deux, comment ça se fait? Bah alors... Quel cauchemar! Putain mais d'où il sort tout ça? Monsieur Sansushi, on s'associe avec l'IA. Hein? Mais pourquoi t'as autant d'unites? Votre allié est attaqué. Ben, je crée des unités depuis que tour, c'est tout. Comment ça? Oui, mais comment t'as l'argent pour? Moi j'ai pas l'argent pour. Comment ça, on s'associe à l'IA? En vrai, c'est un truc que j'ai de base. Ah! De quoi? Mais laisse-moi cette ville, c'est ma province. J'ai une alliance de base avec un mec juste à côté. Ah bon? Une faction de l'IA de Tsinch, il commence avec ça, lui. Oh la vache! D'accord, chelou. Oh ouais! Must face gracious, the shockingly obese. Bah, je suis fucked là, moi là. Ah, les ogres, c'est full thune? Ah bon? J'ai jamais joué aux ogres, je sais pas. Bah, okay. Alors, regarde à quoi il ressemble en général, quoi. C'est littéralement un ogre qui porte un trésor. Non, il a Scrag, c'est pas le roi. Ah, oh, c'est chiant là. Je crois pas que l'attaque éclair sera vraiment utile sur ce genre de truc. J'ai pas le choix. Oui. Choix, on va se la donner. Mais le problème, c'est qu'il a une armée gigantesque juste derrière, qui sort de son fion littéralement. Je sais pas comment il fait. En fait, c'est l'armée qui ne peut pas jouer depuis le tour 2. Elle a chopé une peste pendant 5 tours et du coup, je vais de l'usure. Elle a pas pu bouger, elle est restée chez moi. Excusez-nous, mais. Enfin bon, je sais pas comment il fait pour avoir tant d'argent. C'est qui attaque là? Je comprends pas. C'est moi qui attaque. Il sort. Et 26, il a cliqué sur regarder. Je regarde. Ah, merci Maf, j'ai cru que j'allais être tout seul. Oh. Allez hop. Yoink. Oh là là. Yoink. Bon, c'est pas des unités de ouf, mais yoink. Yoink quand même. Ça va bouger. Hein. Attends, et t'as... Hein? C'est deux armées de Slaanesh? Ah ouais, j'ai la garnison merdique. La garnison toute pétée. Mmh. Ah oui. Bon bah je vais nous switch, Marmotte et moi. Saoul. Oui. Allez, à tout de suite. User was moved out of your channel. Channel switched. Bon, comment qu'on fait, Marmotte? Bah la menace c'est Enkari quoi, en gros. Oh, si on arrive à lui tuer Enkari, il va tellement péter les plombs. Bah après en même temps s'il attaque vu que c'est des démons, si tout le monde fuit il meurt Enkari. Oui. Ouais mais attends c'est chaud à gagner hein, il a une armée quand même. Ouais full. Il a une armée full, nous on a pas, enfin nous. Toi t'as pas une armée incroyable non plus. T'as quoi? Ventre dur, buff.
Broyeur, putain, tes broyeurs, ils vont tellement avoir du mal parce que lui, oui, sa cavalerie est méga rapide. Ouais. Tu veux prendre quoi comme unité? Ils ont déjà décidé de savoir comment on veut la jouer. Alors, il y a un truc que tu peux faire, c'est avec les cannibales. Hein. On va lui créer ça, on peut faire. À la limite. Je file les cannibales. Les cannibales et la cave, et j'essaye de lui tendre des pièges avec ça, parce que du coup il les voit pas, il pourrait être tenté, je pourrais utiliser la cave comme appât, et essayer de le baiser avec les cannibales. La question c'est comment je tank Nkari avec le général ? Oh, tu peux pas. C'est... Je peux pas en fait, j'ai rien pour le tanker, je peux mettre les gnoblards mais ils vont mourir vite. La seule chose que tu peux faire avec Nkari, c'est essayer de l'engluer, mais si t'arrives à l'engluer avec des ogres autour, franchement, là, il peut plus rien faire, parce qu'il va prendre hyper cher. Donc ça, c'est peut-être un truc. T'as besoin que je me mette en front de cour ou devant, ça va? T'as pas d'unité à distance, hein? Non, y a ni lui ni moi n'avons d'unité à distance. Non, ouais, fais ça. Moi, je vais vraiment faire semblant de partir avec la cave en mode je vais flanquer et s'il fonce pour me choper, bah il tombe sur les trucs et puis c'est moi qui le charge. J'ai très très peu espoir de la gagner, hein, mais je t'avoue. Après, dans tous les cas, il y a ma vraie armée qui arrive derrière, donc. Ouais, essayons de lui faire mal. Ouais. Après, si tu gardes le haut de la colline, il va être obligé de charger en montant, c'est quand même pas terrible pour lui. Oui, je suis pas prévu de bouger spécialement vu qu'il attaque, j'ai aucun intérêt à bouger. Oh, j'hésiterais même presque à faire ça en fait. Ça commence dans 20 secondes. Ouais, vas-y, je vais faire ça. Je vais plutôt faire comme si j'avais peur de sortir la cave. Et là il va tomber, je vais profiter de la pente comme ça quand même. Ok, vas-y tu peux lancer. Hein. Oh, ça commence dans une seconde, c'est parti. Allez, bon chance. Ah ok, ils sont tous là-haut, intéressant. Ok. Ils ont fait un gros bloc à gauche, en face à que les gargouilles du KO du JDG. D'accord. Si on avait un sort à balancer là-bas, une rêve, bonne capacité d'armée. Comète, j'ai pas encore de lanceur de sort, moi, il faut que j'en prenne un. Ça va partir en alliance ogre pour la fin de ce stream, là, on est d'accord. Bah, comme c'est parti, oui. Mais moi, je suis en train d'attaquer sans sous parce qu'il est en train de s'étendre beaucoup et. Bah, moi, Alpha, ça m'arrange parce qu'il a 4 villes aussi, Alpha. Il y a des gargouilles qui se suicident, hein, qui restent en haut, en semblant. Oh là 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 là, s'il vient s'engluer avec ses chars dans mes cannibales, il va tellement rager. Je vois pas une carry pour l'instant, donc il le garde en def, je pense. Oui, à mon avis, une carry, il va pas risquer de le sortir. Merde, il a repéré mes cannibales. Ah, il en a repéré, une unité. Ouais. Non, deux. Tu veux qu'on essaie de chonner, on n'aime pas d'intérêt de charger en fait. Quoique si t'as les maraudeurs qui vont pas trop vite, si on va vers la gauche, vers les... Ah j'y vais, oh putain, il est en train d'exposer ses accroche-cœurs. Oh là là, il vient d'exposer ses accroche-cœurs, qui est sa meilleure cave. Putain, mais non, mais c'est une savonnette! Ah, ils sont barrés. Vas-y, vas-y, charge, charge. Le laisse pas réfléchir. La cave qui veut pas. Ouh, les accroche-cœurs, yes. Et il attend que j'engage pour essayer de venir prendre par derrière. Ouais. Ah, Nkari est dans la mêlée. Fais gaffe, il est sur ton seigneur. Ouais, je sais, je vois tout le monde dessus. Oh, les chars.
Oh les chars, oh les chars. Ça, ça dégage. Oh les broyeurs. Zbru. Ah, tu viens de récupérer une unité de broyeurs. Apparemment. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai effectivement récupéré. Je te la redonne. Bah, y a un bouton que tu peux cliquer en fait pour me rendre une unité quand tu veux. Oh, les chars sont morts. Oh, les chars sont morts. Déjà, c'est pas mal. Bon, par contre, se désengager des unités de Slaanesh qui est l'horreur. Oh, les chars morts, ça c'est quand même très très bon. Eh mais il m'a récupéré mes gnoblards. Hein? Hein, parce qu'il y a des gnoblards dans son armée, je ne comprends pas pourquoi. Ouais, ça va pas être une très bonne idée ce que je suis en train de faire. Je vais charger en pente. Je voudrais bien choper ces accroche-coeurs en vrai. Bon, si j'arrive à lui supprimer quelques démonettes, c'est pas mal non plus. Je pense que ça va se faire. Il doit être en train de rager Alpha. Voir ces bonnes unités qui partent. Ah, les accroche-coeurs qui fuient, terrible. Bon alors, Enkari, le plan on l'englue n'a pas du tout fonctionné. D'accord. Il a tout défoncé. Aïe. Enkari, en vrai, je vais essayer de l'encercler avec les broyeurs. Ça peut le faire, limite. Surtout que j'ai éliminé les menaces. Merde, il m'a mis la rage. Enfin, j'ai la rage. Il y a moyen de lui faire mal avec les broyeurs, je pense. Encore une unité de démonette qui va partir. Voilà. Ouah, mais quoi? Ah, une carie qui fait mal, hein. Je vais essayer de le focus. Ah, mais c'est une catastrophe, oui. Mais il régène en plus. Oui. Oh là là. Attends, j'essaye de lui supprimer des trucs alors. Hop là, il est reparti. C'est bête de Slaanesh alors. Ah mais il a tellement régène. Ok, faut vraiment oublier Enkari, hein. On va juste le subir et puis c'est tout. Ouais ouais. Mais du coup je pense que j'ai mis trop d'unités dessus dès le début. J'aurais dû charger des trucs faibles en PV. Ouais, c'est pas grave. Oui, c'est pas l'armée. Je pensais aussi que ça pouvait le faire si tu l'encerclais, mais non. Visiblement. Putain, il est en train de défoncer ton seigneur par contre. Et Enkari et Scarbrand, ils sont vraiment hyper dangereux en combat. Ouais. Par contre, ils vont tellement être dégoûtés si j'arrive à sortir les canons géants ogre. Ah oui. Ça, c'est pour sniper un Scarbrand ou Enkari avant qu'ils arrivent au cac. Hein. Ouais, ouais, ouais. Pour finir, il a perdu quoi, 500 unités, va devoir back. Ah là, il est mal, hein. Là, son armée n'ira plus très loin. Surtout qu'elle ne rejeune pas. Ouais. Ouais, il a perdu des bonnes troupes, hein, là. Il a perdu ses chars, il a perdu plusieurs unités de démonettes. Ouh, et là, si j'ai un peu de bol, je lui enlève encore une unité d'accroche-cœur. Allez. Yes, 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 allez, effondre-toi! Oh putain, Enkari, comme il enchaîne! A chaque coup, il en tue un, hein. Il tue un modèle. Ça y est! Ah non, mais il est infernal! Nice! Une unité d'accroche-coeur en moins. Oh. À 25 points de vie! Non, mais sérieux, quoi, j'arriverai pas à l'avoir.
Il est obligé de les tuer tous. Ils sont démoralisables en plus, les Cunibal. Ouais. Il les défonce tellement. Ouais, les gros persos comme ça corps à corps, ils sont vraiment bien contre les ogres parce que du coup quand ils tapent, ils overkill pas, pas comme s'ils tapaient sur l'infanterie, ils tuent vraiment les modèles, ils les fauchent. Ça marche vachement bien quoi. C'est la fin. Il n'en reste que deux. Eh bah ça valait la peine, on lui a fait mal. Il ouais. doit pas être content. Et voilà. Allons voir s'il savoure cette victoire. Quel cauchemar. J'ai aucun anti-large, j'ai envie de canner contre les ogres avec la neige, putain. Ah bah, Nkari-sama, quand il est sur les larges, il déconne zéro. Hein. Ouais, mais heureusement qu'il est là, hein. Sinon j'avais aucune solution contre ton armée. Hein. Genre, c'est trop dur. Plus, vous aviez la montagne, putain, c'était trop. C'était trop. Ouais, et puis derrière, t'as ton armée qui arrive à l'aide. Avoir le temps de faire un repli stratégique et me rendre ma ville. Bah non, je viens de prendre la ville. Bah tu peux la quitter. Non mais sois pas relou, c'est ma province là, c'est la dernière ville qui reste de ma province là, c'est bon là. Alpha, c'est pas un gamin là. Il est top 2, il a déjà 19 points. Le joueur c'est bon là. Oh, mais j'ai 3 gares, laisse-moi la dernière putain. Laisse-moi la dernière, c'est pas un gamin là. C'est bon. C'est pas un gamin là. Oh putain, mais c'est trop dur là, c'est trop rude. Mais l'armée est minable maintenant. En plus, t'auras des rébellions tout le temps ici. Tu pourras pas avancer. Hein. Faisons une trêve. Si je récupère toute ta province, c'est bon. Faisons une trêve enfin. Oh. Une idée. Je me souviens plus du tout si on était en fin de tour ou en début. En fin de tour. T'as fini sans sous, clique sur fin de tour. J'ai cliqué sur fin de tour. S'il vous plaît. Non, attendez, avant ça, j'ai une idée. Oh putain, je peux pas donner ça. Oh, c'est mais cool. L'ordre public, c'est un cauchemar. Hein. Franchement, quand t'as qu'une ville, y'a pas de soucis. Ah, la corruption de Tsinch. Moins 20. J'avoue, ça pique un peu. Ah ouais, mais non, mais. Ah, ma reconstitution et tout. Oh, l'aide. Quoi? Mais quoi? Mais comment ça quoi? Pourquoi en fait? Et ça te dirait une ville gratuite? Quoi? Est-ce que ça te dirait une ville gratuite? Oui. Allez. Cadeau. Attends, quoi? Bah, je te fais une ville. Pourquoi je sens que c'est un cadeau empoisonné? Mais non, mais pas du tout, mec. C'est toi qui es empoisonné pendant... C'est ça, Norgal. Je te fais une ville. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Je suis sûr... non, mais c'est pas normal que tu donnes un truc comme ça, c'est de la merde. Comment ça, non. C'est pas normal? Mais si tu la donnes. C'est si tu es à l'autre bout de là où je suis. Et après, si tu veux, tu peux la donner. Mais c'est à côté de toi, t'es sérieux? C'est littéralement, c'est la ville voisine de Nongchang. Tout le monde va se la filer. Est-ce qu'il est pas en train de se te filer la cité de singes pour pas l'attaque? Mais t'as toi, les diplomaties sont entre moi et Hein? Par hasard. Il est en train de se t'avoir. Attends, mais après, oui, non, mais après là, tu peux la revendre aux ogres. Non, mais tu peux la revendre aux ogres. Il y a une armée d'ogres qui va rouler dessus. Ah putain, j'avoue, on peut acheter les trucs. Bon, écoute. Je peux faire une contre-offre. Trop tard, je ne suis plus intéressé. Écoutez, je veux un paiement. Je vous propose un traité de paix, mon très cher ogre ami, en échange de la cité des singes. Est-ce que cela vous satisfait? Bah oui. Très bien. Cessons cette bataille inutile. Guerre inutile. Merci, c'est très, très intéressant de faire affaire avec vous. N'empêche que c'est moi qui ai gagné la dernière bataille. Alors. Oui, mais c'est moi qui ai la ville. Oui, et mon honneur est sauf. Ok. Oh, par contre. Ah ouais, mais le.
Ah. Du coup, Marmotte, tu te retrouves avec la Cité des Singes dans une province full corruption de Slaanesh. Bonne chance. Bah oui, mais ça va pas s'arrêter. Hein. Moi, c'est chez moi, en fait. Moi, à je la dis base. Faut que tu prennes le reste de la province, Marmotte. En fait. Non, l'enfoiré. Si, si. Mais quel chien. Mais non, mais pour si faire tu peux, baisser quand la t'as fait un traité de paix, je crois pas. Quel chien, vraiment, le pire, lui. Attends, attends. Fiabilité basse, bah oui, mais on s'en fout. Comment ça, on s'en fout? Bah, l'IA, on s'en fout. De toute façon, l'affrontement, c'est entre nous. Ah, d'accord, bah, génial. Si tu romps un traité ou une connerie comme ça, bon, t'es en fiabilité basse, mais voilà quoi. Super, bon, super ambiance. Je teste un truc, hein. Non, mais par contre, non, mais enfin, respectez un peu la fiabilité, sinon les traités de paix, ça sert absolument à rien. Quoi? Non, mais là, on vient de faire la paix, mais si Marmotte me déclare la guerre au prochain tour, ça n'a aucun sens, quoi. Merde! Ok, non, mais tranquille. Tranquille. Non, mais tranquille, je dirai rien. Je dirai rien. Je vais me faire rouler dessus par une faction qui a des larges et qui est pas. Et moi, j'ai pas d'anti large. Je parle super. Super! Pas m'énerver. T'as par contre. T'as cliqué sur mais pourquoi vous les attaquez 20 tours sur Fille. J'ai pas de. Oui, j'ai pas assez de cavalerie pour attaquer sans sous. Pour attaquer de Singe, c'est la merde. J'ai pas assez de large. J'ai pas assez de mon allié qui ne veut pas. Ou alors il me faudrait plus de lance-ferraille. Bah, je lui éclate la gueule. Ça, allié. Mon voisin innocent. Bon, les couilles. Ah, ça. J'ai il une y a personne à chaque il y a tour. Il y a 20 trucs dedans, de quoi. À l'aide. Un duc du changement. Ah, mais non, mais jamais j'arrive à prendre ça. Hein. Jamais j'arrive à prendre cette ville. Hein. Pouah, je vais prendre tellement cher. Non, c'est impossible. Je m'en vais, hein. Putain. C'était sympa. C'était très sympa. Alors. Marmotte, il a reçu un don de Slaanesh. Ah bah oui, bravo. Maintenant, il va répandre la corruption de Slaanesh partout. Ah bon, t'as Slaanesh, eu un don de Slaanesh. C'est mon nouvel ami. Bah ouais. MDR. Pourquoi il a eu un don de Slaanesh? Parce qu'il a traité avec moi? Dès que t'affrontes une armée de Slaanesh, tu peux avoir ça. Non! Hein? Oh mais j'aurais dû faire ça! Oh je suis un abruti. Oh c'est grave. C'est grave d'être si bête. What the fuck, pourquoi je peux pas fusionner les unités? Ah, y'en a un qui j'aurais dû faire ça tout à l'heure, je suis stupide. Je suis stupide. Oh. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je suis en train d'hésiter. Parce que je suis en train de me rendre compte que tu veux pas prendre tes bagages et aller ailleurs là parce... Quoi? Non, parce que bon, tu pues et voilà, si on a le bruit et l'odeur. Le bruit et l'odeur. Ah, j'avoue que bah, je sais pas ce qui est pire. Écoute, t'as qu'à venir me dégager alors, je sais pas. Wow. Je suis bien là où je suis. J'aurais pas aimé, hein, Fred. C'est un peu une déclaration de guerre, ça. Carbrand, il aurait pas aimé, hein. J'aurais pas aimé. Ok, The Blood God. J'aurais pas aimé, frère. Aïe, hein. J'aurais pas kiffé hein. Laissez passer ça. Yovras, ça se passe, bah, ça se passe. Quand même, hein. Beaucoup d'attentes de fin de tour. Ah quoi ça? Dégage de chez moi toi. Pas plus que notre très cher Aventis. Aventis, j'avoue que t'es un peu stuck là où t'es. Moi je sais pas, je découvre le jeu. Oh, tranquille. Je peux pas dire, mais Maf. Désolé, Alors pourquoi je peux pas passer? Maf il gagne masse. Ah non, je peux pas passer. Maf il quoi? Quoi? Maf il gagne masse points, je veux pas dire comme ça, mais tranquille. Attends, c'est Sansou qui est devant et on gagne le même nombre de points.
Non mais Maf, vous êtes tous les deux à gagner le plus de points. Je dis, je peux pas balancer, mais voilà quoi. Ouais. Un peu dangereux quoi. Ouais, donc 100 sous. Méfiez-vous. Moi j'ai eu quoi là? Et pas loin de gagner. Oh ouais, ils sont mignons, c'est à l'aveu du monde ça. Ah, 29 sur 40, mais dans 3 tours c'est fini en fait. Ah oui, là il faut, oui. Là, il faut y aller là. Ah mais c'est tellement rapide, tellement court. Bah attends, parce que quand on va commencer à vraiment se fighter, on va passer tous les tours à se battre, ça va être plus lent. Oula. Ah oui. Et mis clic. Ils ont refait les spells, les icônes de spells. Pendule du destin et tout, il avait pas cette tête avant. Ouais, ils les ont tous refaits, je crois. Ok. Comment ça, pendule du destin, là? Hein? Allô? Allô, ça capte pas. Hein? Allô? Ça capte mal. J'entends pas ce que tu dis, là. C'est trop bizarre qu'il y ait autant de factions qui soient hyper loin de là où on est et que le jeu nous propose de deal avec eux. C'est trop étrange. 40 points c'est peut-être pas assez. Bah je pense 60 points, allez, ce sera... en fait ce serait bien juste qu'on puisse régler les points. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah voilà, on y arrive. Il y a eu un appel à l'aide. Bon là je pose mes balls sur la table, on y va. Ah. Je vais le regretter fortement. Amèrement. Je peux pas faire résolution auto moi. Alors, parce que j'ai mis, parce que j'ai cliqué sur reprendre la bataille. Une seule. Enfin, là je viens de sortir mon seigneur. Je pense que c'est pour ça que Maf m'attaque. Attends. J'ai vu deux armées, moi. Non. Bizarre. Là, il y a juste un seigneur dans ma ville. C'est qui attaque? C'est les ogres? C'est moi. Ouais. J'attaque Sansou. D'accord. J'attaque sa capitale. Et Sansou, il a un poulet pour se défendre. Ouais. Sansou, il a un poulet. Il y a juste un petit poulet rose. C'est noté. Ah, il a un grand poulet aussi, hein, une dinde. Une belle dinde. Elle est pas encore fourrée, mais on va arranger ça. Eh, ça paraît faire là. Hein. C'est pas l'est, honnêtement là. Ah, c'est une chose court quoi. J'aurais dû me mettre en spectate. Je vais spectate sans sou, me donne pas d'une. Ah bah super. Qui est avec moi, Fred et Marmotte? Ok, attends, je nous souille. L'élite. Je vais faire allez. Des sous. User moved out of your channel. Channel switched. User was moved to your channel. Bon, j'ai très très peur. Tinch à l'aide. On va prendre la drache de projectiles. Est-ce que le plan c'est pas d'entourer la ville, de péter les murs et de foncer sur le point? Si. Surtout que j'ai 4 lance-ferrailles, donc bon, on a de quoi pilonner. Hein. Plus des crash plomb. Donc on va pilonner. T'as une unité rapide? J'ai quelques cavaleries férox. Les cavaleries férox, c'est un trou. Vu que du coup c'est tellement du corps à corps, et du coup ça peut vraiment aller chercher le point. Ouais, mais du coup, oui, c'est comme tu dis, on va prendre le temps de pilonner les murs et les tours, et une fois qu'on a fait plein de trous, on rush à travers. Et on va jusqu'au. On va capturer les points. Du coup. Vous voulez quoi? Fais-nous ce que tu veux. Si tu me laisses la cavalerie, je suis content, j'aime bien passer à travers les trous. Tiens Fred, je te donne une grosse partie de l'infanterie. Merci.
Marmotte, tu veux les Gnoblards avec? Tu veux qu'on se split? Merde. Qu'on se split, alors attends. Y'a combien d'armes de siège? J'en ai 4. Bah moi je me disais que... On peut se splitter sur... On peut se splitter entre guillemets sur... C'est où... Tu peux genre en mettre une de chaque côté ou c'est juste c'est ta une unité Dans les armes de siège? Ouais. J'en ai... Moi je préfère toutes les mettre au même endroit pour pouvoir casser les tours le plus vite possible, tu vois. Ok. Dans ce cas-là... Je vais partir là-dessus. Dans ce cas-là on peut se splitter côté... Alors attends... Tu le vois hein, où est-ce qu'il est, tu vois bien qu'il a déployé... On voit les... Tes souhaits. Pardon. Tu vois les... ce que je veux dire c'est tu vois quel tour est contrôlé. Pour ça, moi ce que je te propose... Ah oui, je vais... effectivement. Ce que je te propose c'est je vais en laisser... Une ici et je vais mettre deux unités sur un autre côté pour le forcer à se déployer à un autre endroit. Mais ensuite, je les ramènerai chez de notre côté, tu vois ce que je veux dire? Ok. Très bonne idée, je vais faire pareil avec la cavalerie. J'ai mis les Gnoblards tout à l'opposé, vu qu'ils peuvent avoir des échelles. Ils peuvent passer s'il n'y a rien en face et être à 100 kikinants. Yes. Bon, bah, c'est bon pour moi. Attends. On prend le temps de casser les tours et les murs. Hein. Pas trop bouger avant, j'espère qu'on prendra pas trop cher pendant ce temps-là. Ah, attends. Est-ce que avec tes Gnoblards, tu pourras m'ouvrir la porte? Les Gnoblards. Tu prendras le contrôle de la porte et tu m'ouvriras. Ouais, je vais essayer. Ah oui, j'avoue, ils peuvent monter. Ils peuvent monter et comme ça tu m'ouvriras la porte. Après, avec les ogres, tu as défoncé les murs avant que j'ai le temps d'ouvrir la porte. Ouais. Ils ont pas besoin d'armes de siège, ils peuvent foncer sur les murs ou la porte et la défoncer. Ouais. Je vais me mettre un petit peu loin quand même, mais je vais me mettre hors de portée. Ok, ben moi je suis ready. Hein. Moi je suis ready. Ouais. Ok, allez. Let's go. Ah ouais, faut que vous cliquiez sur prêt en fait. Où ça? J'ai pas prêt. Pas de bouton prêt. Ah non? Ah. Ah merde, du coup on est obligé d'attendre une minute que le cooldown s'achève? Ah merde, j'aurais dû lancer si plus en face, sauf si en face il clique sur prêt aussi. Ah, c'est ça, ok. C'est sans sous à mon avis qu'il doit appuyer. Ouais, ils ont l'air d'avoir bien pris le contrôle des trois tours de notre côté. Hein. Oui. Ouais, la majorité de ses troupes sera du côté principal. Bah, quand tu veux. Bah, plus que 8 secondes. Ah, d'accord. Sans sous, appuie pas. C'est parti. Alors... Y'a personne de ce côté, je vais casser la porte avec mes ogres. Ils sont tous de l'autre côté donc. Ouais, ils sont vraiment tous chez nous. Attention parce que tes catapultes sont à portée de tir des canons. Ouais, bah je vais les... On va voir ce que ça fait, ok. Ah merde, il va falloir 3 salves. Ah. Bah profitez-en de votre côté hein. Bah ça passe crème, les Gnoblards ils passent crème, les ogres ils sont tranquilles, on va pouvoir littéralement utiliser le backdoor. Ouais bah on va les forcer à venir, de toute façon on va se diriger vers le point d'objectif hein, comme ça on va les forcer à... Ah le duc du changement. Ok, ça fait pas grand chose. Attention, t'as vraiment une unité qui prend la sauce là. Ouais, j'arrive pas à battre les tours assez vite en fait. Tu peux m'ouvrir la porte avec tes Gnoblards là s'il te plaît The Hold Master. This point's mine. I
Ah, l'enfer, il va m'en tomber. Il va m'en tomber une. Ça, ça va pas vite en fait. Bon, je crois qu'on va y aller. Hein. Attends, 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 attends avant d'y aller, attends avant d'y aller parce que au final il va être obligé de, il va être obligé de back pour aller chercher nos troupes qui, quand, parce que nous on va foncer sur l'objectif. Ouais, ok, allez-y, allez-y, je continue à casser les tours. Ouah, il va me détruire mon, ouais, ok, il m'a détruit une catapulte. La tour est à la moitié. Ah, c'est trop lent! Il envoie ses deux, ses, ses deux seigneurs sur nous. Il envoie ses deux seigneurs sur nous. Ouais, je pense qu'on peut y aller là. Oh, ouais, attends, la porte est quasiment pétée de mon côté. Il a vraiment beaucoup de mecs à distance hein, sur les murailles. Ouais. Oh, Grissus y va. Prendre cher. Il a son seigneur qui est au sol, hein. Et qui perd son shield à toute vitesse, là, avec mes ogres. Ok. Il se replie avec son seigneur, je continue à avancer. Fred, tu peux avancer les ogres de l'autre côté, hein, si tu veux. Je suis en train de je péter les, avance, les murs. Là, j'évite les... Il me court après avec ses... on va jouer à la course. Si tu veux avancer meuf, t'as la porte ouverte en face. Hein. Ouais. Ok, bah je charge avec les ogres au centre. Ouais, bah, en fait, je vais avancer tout le monde. Vas-y, moi je vais avec le Master Rock, je vais l'ignorer complètement. Ah, quoique, je vais quand même tuer son seigneur. Je lance avec la cavalerie. Master Rock qui fait son taf. Oh le bordel. Oh, il a pas vu qu'on a deux unités qui sont en train de s'infiltrer derrière. Faut, faut pas qu'il les voit. Bon, ouais, je suis sur le point là, je commence à prendre le point de la grande place. Le point final. J'ai mes unités qui arrivent bientôt. Garde l'œil de Sauron sur nous. Ça
façon, il le voit là, comme les gobelins sont arrivés, il voit que la jauge verte commence à augmenter. Ouais, mais il peut ne pas y faire attention. Hey, y a son seigneur qui arrive. Après, avec la cavalerie plus les ogres de Fred, ça va le faire, on va le défoncer. Ok, je vais essayer de contourner avec les crash plombs parce que là ça va pas. Mais ça fait que dalle ça. Oh mais au secours hein, les projectiles, quoi que tu fasses, okay, t'en prends tellement plein la gueule. Ok, on a presque le contrôle du truc. Ok, on a le contrôle du point de victoire. Si on le tient suffisamment longtemps, on a gagné. Ouais, là ça y est, ça fait grimper la jauge. Il y a le duc du changement sur nous. Il pourra pas récupérer le point rien qu'avec le duc. Ah, je sais, le point est à nous, le point est à nous. Il y a, par contre, il y a les déchus et les incendiaires. Les incendiaires, faut faire gaffe. Ça va être coûteux, mais il y a moyen. Ils commencent à être à court de projectiles en plus. Ils ont pas construit de tour de défense ? Ah si, si, ils ont tout mis au centre, mais du coup ça sert à rien vu qu'on attaque derrière. Mais je peux en péter, attends, mais non. Mais ça sert à rien ce sort. Je planque mes ogres derrière les murs pour éviter, parce qu'il approche des lanceurs de sorts là. On est bientôt à la moitié de la barre. Alors je vais... On va peut-être gagner au point, mais par contre je vais perdre énormément de trucs. Digue du changement s'est reposé. Attention, il y a le seigneur. Non, c'est bon. Écartez-vous, micro. Ouais, faites bien de micro là sur vos trucs. Je vais bouger les incendiaires. Enfin, je vais gérer les incendiaires avec la cavalerie. Laisse bien tes gnoblards sur le point. Hein, qu'on perde pas de points là. Ça devrait être win, je pense. Là, presque, ouais. Les gnoblards vont fuir, par contre. Attention. C'est presque gagné, c'est presque gagné. Aïe, aïe, terrible. L'arnaque totale. L'arnaque est totale. Oh là là. Gagner sur un objectif de victoire, quelle honte. Je suis tellement mal. Putain, mon armée, y a plus rien quoi. Enfin, je garde les unités les plus importantes. Oh là 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 là, oui. Bien vu la capture de points. Pris cher, mais ça passe. GG. Le rush de dos, la backdoor était ouverte. La porte d'armes. Comprends-moi. Compliqué. Et beaucoup. Il y avait beaucoup. Astorok un peu intuable. Oh, à l'aide, il a pris tellement de projectiles.
Ah ouais, mais ils s'en foutaient, hein. J'avoue. Mais en plus, tu pouvais pas le full heal d'ailleurs ? Non, j'avais pas de soin. Mais parce qu'il y a pas une compétence avec les ogres qui permet de full heal une unité ? Il y a un très très gros soin, mais j'arrivais pas à le proc parce que il faut mettre des, faut détruire des unités en fuite, et vu que bah il y avait beaucoup d'unités en face et que j'arrivais pas trop à en mettre en fuite, je gagnais très peu de points pour pouvoir claquer ça. Donc ça marchait pour. Terrible. Bon, venez, on s'allie tous contre les ogres. Comment ça ? Venez, venez, on fait un front là de libération, ça suffit Shrek. Tu es gros Shrek. Tu manges trop. Faut arrêter Shrek. Laisse-nous tranquille. Hop là. Merci Sanson. Ah oui. Merci pour ce moment. Ok. Merci pour cette délicieuse soirée. Ah ben voilà, on va avoir moins de corruption là, corruption de ses morts. C'est vrai que tout le monde a sa propre corruption là, quoi, limite. Enfin non, les ogres ils ont pas de corruption. Non, on est gentils nous. Oh. Vous bouffez juste tout quoi. Ah, y a pas de corruption de la gueule. Oh putain, son sou, il prend la max. La max, Fred, depuis tout à l'heure, il dit rien, il attend son moment. Il attend son moment pour juste poignarder son sou dans le dos. Envie de canner. Son sou, alors qu'est-ce que ça fait d'être le après, numéro 1 dans cette game? Après, ça, j'ai que des unités de merde, là. Son sou qui passe ta meilleure soirée. Oh, Je rejoins l'équipe. Bah oui. Bon bah moi je vais rejoindre l'équipe des défenseurs. Cette fois-ci je vais l'aider. Bah moi disons que comme je suis plus un poids qu'une aide, je vais rejoindre les assaillants. Non putain. Je pense qu'il a vraiment envie de die. Non bah allez, je vais rejoindre les défenseurs. Non mais vraiment genre j'étais paumé la fight d'avant. Ouais, tu connais pas les unités. C'est une attaque de ville encore. Je connais rien. Je connais absolument que dalle. Hey, mais moi je croyais que t'avais joué frérot avant de revenir avant de venir jouer avec nous ce soir. Ben non mais j'ai joué, j'ai fait des matchs PVP quoi, genre j'ai un peu train Nurgle et en mode bon bah voilà je connais les unités, mais bon, à partir du moment où c'est pas Nurgle, je suis en mode au secours, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça sent bon, c'est bizarre. Bah ouais c'est ça, ça bouge, là j'avais des trucs qui bougeaient vite, je suis en mode oh là ça va trop vite pour moi là, je suis perdu. Au final le duc du changement, pas insane j'ai eu l'impression. Hein. Bah au corps à corps c'est pas la dinguerie quoi, les ogres ils le kiffent. C'est pas sa spé quoi. C'est pas non. Son domaine d'expertise. Bah c'est un mage de plus quoi. Ouais, ouais. On se switch là du coup ? Ouais, attends. C'est qui avec qui du coup ? Bah, on garde les mêmes et on recommence. Vous voulez, tu vois. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. Channel switched. User je crois que monsieur Eventis vous êtes de ce côté du miroir cette fois. Ah non, non je suis de l'autre côté, non. Mais ça me dérange pas d'être là. Hein. L'infiltré. Ah, t'as pas pris les je vous aime bien. D'accord. User was moved out of your channel. Hop là. Qui veut de la cave ? Moi, je veux bien micro-gérer le mobile, si tu veux. Ouais, ok. Bah après, là, c'est un peu tout le monde est mobile. C'est pour ça qu'il faudra attendre les renforts au début, parce qu'ils sont en meilleure santé. N'oubliez pas que dès que les démons ils arrivent, le life, ils dépop. Ouais. Alors du coup, faut pas mettre d'unité là où il y a en face les renforts, sinon on va mettre les tours juste en face et ça fait un masse dégâts sur les renforts dès qu'ils arrivent. Ouais ouais, bah sinon on fait le grand tour. Tiens. Tu veux que je mette les troupes ailleurs, genre ? Ouais c'est ça, juste pas où il y a les renforts, parce que là du coup ils vont faire les tours ben, où il y a les unités. Ouais, ok. Bah vas-y, je te file... Attends, qui a dit qui c'est qui veut les... C'est Maf qui veut tout ce qui vole, qui ce qui va vite. Bon, je veux bien les micro-gérer si tu veux, quoi. Vite. Et vas-y. Les textures de la flotte, elles sont quand même bizarres. Vas-y, je te file ça. Attends, comment je le file déjà ? De les unités à Maf, hop, comme ça. Et puis à la limite, je te file. Bah, si tu veux, je te file tout et je prendrai les renforts, moi. Par ma... Ok. Tu veux qu'on fasse quoi ? De toute façon, on attend les renforts d'abord ?
Ouais, ouais, on va attendre les renforts. Est-ce que tu veux, Fred, que je donne comme le buveur de sang, comme il vole et tout, il fait pas mal de dégâts, ça peut être sympa au moins un micro-gérer en attendant. Le gros qui vole, le chef qui vole, le démon majeur. Tu veux que je le file, que tu le veux pas toi? Bah je te le rends toi, comme ça au moins t'as quelque chose à faire. Oh, et puis oui, si tu veux après, de toute façon, alors comment on allait se toucher Ah vas-y, je le reprends. Putain, je sais pas si je peux annuler. En vrai, tu sais, je peux filer normalement. Ouais. D'accord. Ok. Tu peux cliquer sur la croix. Bah vas-y, écoute, sur je suis parti. Hein. Alors n'oubliez pas, ils ont masse. C'est l'horreur hein, d'affronter Tzenz quand t'es corde. Parce qu'ils vont vite, ils ont des sorts à distance. Et c'est tout l'inverse de toi. Donc y'a notre quoi dans seule les chance, y a... c'est que de l'anti-infanterie. C'est pour ça que c'est... Ouais. Elle est compliquée, oui, celle-là, je vous cache pas. Ouais, faut arriver au CAC et rouler dessus, quoi. Faut arriver au CAC. C'est ça. Il faut réussir à les prendre en sandwich quelque part. Je vois qu'ils ont mis, des trucs au centre, là. Ils ont mis une tour au centre. Je pourrais essayer d'aller détruire la tour avec les gargouilles. Ah c'est pas bête, surtout que la tour elle cible pas, tant qu'on attaque pas elle nous attaquera pas. C'est ah l'avantage. Non c'est le buveur de sang par contre il serait parfait pour détruire les tours parce que lui il va faire ça vite quoi. Détruire les tours ? Je sais pas. Alors attends, il rush direct avec nos gargouilles, avec tes gargouilles là. Ah ouais il sort. Et ils vous foncent dessus. On va poser. De pas attendre. On va poser les unités volantes. Ils vont nous détruire avant l'arrivée des renforts en fait. Ouais. Ils se disent comme ils tirent et tout. Ah ouais. C'est ballsy. Non mais attends parce que là par contre si on l'encercle on a une chance d'essayer de détruire ça quoi. Ouais, mais c'est une unité 12 encore. Peut-être essayer de déplacer vos... essayer de déplacer... Faites attention parce que là, une fois qu'il arrive à porter avec les mêlées, avec les distances, je veux dire. Ah, ils ont complètement encerclé. Je vais vers le sud pour l'instant. Les seules mêlées, les seules distances qu'il a, les seules mêlées qu'il a, c'est ceux qui sont sur le flanc gauche. Ok, il m'attrape avec ses gargouilles. Combien de temps avant les renforts ? 13 secondes. La seconde. Essayez peut-être de percer en direction des renforts. Les renforts, je vais les emmener direct de ce côté-là, mais... J'essaie d'engager, j'ai pas le choix, ils sont encerclés. Ouais, aïe aïe les chiens. Faut vraiment gluer tout ce qu'on peut. Oh putain, ça fait déjà super mal. Ils ont été malins à sortir, je m'y attendais pas. Ouais, on aurait dû stick ensemble. Je pense. Là, j'ai les renforts qui sont arrivés, mais du coup, je vais me faire défoncer quand j'arrive. Là, mon seigneur, il va rip. Ils ont strictement rien en face de tes renforts là. Les Minotaurs, ils sont où au fait? T'en avais non? Non, j'ai rien, hein. c'était deux armées complètement défoncées. Ah, je croyais que t'avais des Minotaurs. Pouah, là, là, mais c'est trop violent, hein. Il faut vraiment avoir des armées énormes hein, pour détruire Tinch. Oui, non, mais après, Korn, c'est vraiment de la merde aussi. Hein.
Il y avait encore des unités qui défendaient pour les renforts en fait. Ah oui, donc c'était vraiment énormément plus nombreux. Je vous enfile un peu quand même. Sinon, on peut fuir aussi, hein. Si tu veux sortir des unités en vie. Ça, c'est même pas mon armée, hein. Ça, c'est juste des armées qui ont en spawn. Donc, je peux me le permettre de les perdre, pas grave. Ah, c'est ton host de sang. Oui, c'est pas. Je m'en fous. Ok, ok. C'est vrai que les sanguinaires c'est pas des masses rapides. Hein. Bah tout est extrêmement lent chez Korn. C'est comme Nurgle mais en plus t'as même pas de poison. Ah oui ils ont 38 de vitesse que 4 de plus que les porte-pestes. Oh l'enfer. Ouais. Non mais je pense Korn c'est vraiment la pire faction du jeu actuellement. Il se replie vers le centre. Bon, en fait, il va crafter des tours au centre et puis nous attendre au centre, sachant qu'on peut pas gagner sans défoncer l'armée. Je sais pas de quoi il a peur, il est 100 fois plus nombreux. Ouais, c'est juste sa garnison en plus, il s'en fout de perdre des trucs. Bah ouais, je sais pas ce qu'il attend en fait. Après, peut-être qu'il se dit il y a une deuxième armée à côté, là c'est pour tester les défenses et je veux rien perdre. On va tellement prendre la drache quand on va avancer. Ah oui, ça. Mais c'est sûr, mais c'est dead. Hein. Bah, je pense juste qu'il se venge de la partie précédente. Je crois qu'il a pas kiffé le backstab. Oui, on l'aura pas deux fois à mon avis. Ça y est, c'est parti. Bah y'a plus qu'à attendre et regarder hein, de toute façon. Ouais, j'avoue. Oui les gars, arrêtez avec... On sait bien que Korn est... Une faction hyper forte dans le jeu, mais je vais pas commencer à... C'est tombé. Oh là 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 là, mais les couloirs comme ça, c'est tellement l'horreur avec Timch. Ça blob et il t'envoie. Et encore là, je trouve qu'il est gentil avec les sorts parce que niveau sort, il pourrait t'en envoyer tellement plus dans la gueule.
Bon, putain, on va accélérer. Hein. Je sais même pas si on lui a tué une unité. Non, non. Bon, bah, on va mettre en confiance pour plus tard. You were moved. User was moved to your User channel. Was moved to your channel. GG. Ah, c'était pas trop difficile. ça va, c'était ok. Non mais frame 1 c'était perdu de toute façon. Bah t'avais tellement peu de d'options tactiques par rapport à la puissance de feu de Tsinch, c'était compliqué ouais. Et puis je me suis dit en vrai goal rush au début, ce sera encore plus... Qu'en vrai, se battre dans les rues avec des unités à distance, c'est compliqué. Que quand vous avez safe en mode venez, on se replie, alors que vous étiez genre à 50 contre 1, j'étais en mode mais sérieux. Quoi? À quel moment? 16 ans, quoi, arrêtez, quoi. Ah, bah en fait, que vous avez joué safe fait... en mode oulala, c'est difficile, on va faire attention, alors que c'est genre il y avait 50 contre 1. Bah en fait, c'est juste que ça aurait mis 1000 ans à finir le fight parce que nos unités auraient blob. Donc on a fait le tour pour flanquer par derrière aussi. Tu parles de ce moment-là? Je sais plus. Est-ce qu'on va finir ce tour un jour? Arrêtez ouais, mais et on est déjà. Sansou, il est à 29 sur 40. Hein. Je dis ça. Ouais, Maf, il est à 24. Il a plus 4 aussi. Hein, donc voilà. Et Sansou, il est dans la merde. Dans la merde. Moi, je propose d'ailleurs à Sansushi d'être allié. Voilà. C'est annoncé. Ah, bah alors ça tombe bien. Je propose une alliance. Bah bon, par contre, je vais AFK 9 tours. De toute façon, j'ai pas d'armée, je peux pas régène. Mais mais c'est peut-être. Mais en fait, je comprends pas pourquoi il y a autant de corruption d'orgueil chez toi alors que Eventy c'est pas chez toi, il est pas loin, mais il est pas chez toi. C'est les trucs. Vraiment, hein, j'ai un peu essayé Nurgle, Korn, etc. Korn, c'est vraiment la pire faction du jeu. Il y a rien qui est plus dégueulasse que ça dans le jeu. J'ai pas encore essayé Korn. Mais en fait, c'est pas à cause de la peste qu'a lancé Eventis au début que t'es dans la merde. Si. Les pestes, ça, c'est corruption à fond. Hein. Eventis qui a juste oublié la game de Fred Frame 1. Je savais pas, je. Mais pendant 5 tours, j'ai pas pu jouer. Il y avait un chaudron, je me suis dit, tiens, je vais faire une recette. Il était là-haut, à côté de son truc. Alors, je vais mettre un peu de ça. Ça, c'est quoi ça? Je vais en mettre un petit peu aussi. Ah bah, j'ai littéralement cliqué sur tous les trucs et puis j'ai fait lancer le machin, quoi. Je me suis dit, on va voir. Aïe aïe aïe. Bon, Sansushi, tu as reçu mon offre. Avez-vous reçu mon offre, Sansushi? Mais. Sansushi va. Ah, mais oui, mais oui, mais c'est. Ok, d'accord, c'est les deux. Les deux premiers. Où est-ce qu'on les voit? En bas à droite. Ah oui, mais je clique dessus, ça me met négociation en cours. Non, non, clique. Bah, tu cliques et ça t'offre. Eh ben, y a pas mon menu? Non. Y a pas mon nom? Le petit bouton à côté, non? Non. Bah, ça met juste négociation en cours. Et où? Clique sur ta faction. Oui, peut-être. Oui, c'est ça. Fort bien, fort agréable. Merci à vous. Et si je te propose une confédération, qu'est-ce que tu... Allez. Tu peux? Je crois. Attends, fais voir ce que ça fait. Ouf. Quoi, ça négocie les alliances là vraiment? Ah non, je peux pas. Ah non, tu peux pas, non, je suis un joueur. Ok. Ah ouais? Trop chelou. Ouais, moi j'ai fini mon tour. Hein. Tu dois jouer une grosse campagne à 6 ou plus sur Mortal Empires ou tu penses qu'il faut faire encore des modifs? Il faut faire des modifs. Ah oui. Non mais une campagne complète. Mais là c'est cool en vrai parce que en une soirée c'est il y aura un gagnant quoi. Ouais mais j'ai l'impression que t'as pas trop de possibilités quoi. Enfin je sais pas. Les options sont quand même vachement limitées je trouve. Ouais 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 c'est vrai. C'est genre tu vas tu tapes sur t'as 2-3 villes limitrophes et après. Ah oh non mais rébellion à l'aide. Hein. Mais enfin on était gentils, genre personne s'attaquait durant les 7-8 premiers tours. Je pense que comme tu dois jouer le truc, genre tes 2 ou tes 3, t'as déjà 2 personnes qui sont plus là. Non. Ouais non, je crois pas non plus, parce que t'as quand même l'IA. En fait, aller chercher des villes du côté de l'IA, c'est quand même un truc qu'il faut faire quoi. Ouais, de ouf. Mais le climat, ouais, je trouve que il faudrait tout en climat favorable pour tout le monde, partout.
Ouais, en fait, il y a trop de bails de corruption dans ce Warhammer. Je trouve qu'il y a dans ce genre, avant il y en avait un peu, tu sais, là il y en a partout de tout type, c'est genre Y a beaucoup à gérer, c'est un coach quoi. Genre à chaque fois tu peux rien faire dans tes villes, là, t'es en mode mais j'y peux rien, les arrêter de colorer ma terre en violet, là j'en ai ras le cul. Genre c'est, il y en a un peu trop je trouve. Genre là ils ont un peu, faudrait un peu le tone down un peu la corruption. Bah, faudra voir avec Mortal Empire justement, parce que comme on va récupérer beaucoup de factions qui font pas de corruption, ça va contrebalancer peut-être un peu. Ouais, peut-être, ouais. Mais parce que là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de corruption. Ouais, ouais, il y en a vraiment énormément. Il manquerait plus que les ogres aient de la corruption, alors là... Mais ils pourraient, hein, avec la gueule. Le bail de la gueule et tout. Corruption, diabète. What? C'est quoi cette régène de porc que t'as, maf? Quoi? Bah, j'ai un camp. C'est bien les camps. Bah oui, je confirme. Pourquoi tu amènes des troupes là, Marmotte? De quoi? On n'a pas signé un accord de non-agression? Ah non, on a signé un traité de paix. On a signé un traité de paix, oui. Oui, on a signé un traité de paix, tout à fait. Putain, je vais me taper l'ogre sur la gueule là toute la soirée. Là. Pas longtemps, reste 4 tours à la partie. Bien sûr. Je vais mourir. C'est bon, sans sou, t'as gagné, je me bats. Je te laisse avec mon camp et démerde-toi. En vrai, les camps, c'est chiant. À déloger, c'est casse-couille. Il y a un peu de monde quand même. Si ça passe, c'est complètement incroyable, mais je ne sais pas si ce petit rictus que j'ai entendu, genre... C'était pas... ça veut dire... je l'ai vu ton embuscade, hein, c'est bon. Hein. Mais par contre, il faut que je recrute... Ah merde. Ouais, c'est pas évident ça. Parce que non, si l'embuscade proc, faut quand même que je me fasse ça, quoi. C'est pas une petite armée, hein. J'ai peur de ces cavaliers, il a énormément d'incendiaires, les incendiaires sur les ogres, ça va faire hyper mal. J'ai pas une armée fofolle non plus, par contre je vais pouvoir lui mettre une telle pression à distance. Ouais, là j'ai quelques ogres en plus et tout. Ouais, les chevaliers ça va être dur à gérer, faudra tirer au crash plomb, mais... Ah, chaud. Very well. Very well. I see. Je vais prendre un énorme ogre dans le fion là au prochain tour. Il a double armée en plus, ça débecte vraiment. C'est que des gnoblards, c'est même pas des ogres. Oui. Oui. C'est pas dangereux. Reste plus que maf. J'ai presque fini. Voilà. Belle de Nurgle. Ah. Petite rébellion. Confédération. Ah mais c'est l'IA ça. I foresee
Ah mais c'est déjà fini au prochain tour. Oh putain. Oh putain oui. Mais oui putain, mais je vous le dis depuis tout à l'heure que sans sous tout le monde lui fout la paix. C'est vrai. C'est vrai, c'est marrant ça. Ah c'est une victoire. L'alliance avant tout. Ouais la victoire au score. En plus tu crois que je l'ai pas vu ton embuscade là. Ça me fait chier depuis le début, j'essaye de faire un truc mais c'est, ça coûte si cher. Guerre déclarée par disciple de la gueule. Bah c'est un plaisir. J'adore. De toute façon dernier tour hein. Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre Sansou en vrai? Non je crois pas. Moi je suis trop loin. Effectivement je pense que dans ce mode de jeu faut vraiment se rentrer dedans direct. Hein. J'ai Nurgle qui me déclare à guerre en même temps, j'adore. J'adore. Oh bah tiens, il attaque pas tout de suite. Tu l'avais vu mon embuscade sans sous? De quoi? Non, t'avais vu une embuscade à côté de ton camp? Ouais. Ouais. J'étais en train de me dire, putain, si celle-là elle passe. Ah, il a fait 1 million de gnoblards. Mais quel gamin. Non. Portes ouvertes pour cela neige, quoi? Putain, t'es sérieux, Evan? Vas-y, tu peux attaquer. Mais quel gros sac. Ah, oui. Vraiment, t'as fait ça sans sous, là? Bah yes, bah c'est super. Quel putain. Non mais t'es sérieux, jouer la game là? Ah je sais pas, non, tu vas nous infliger ça là? Non je savais pas comment on fait, je peux pas changer. Non mais c'est pas grave, on va se taper un chargement et je vais juste give up, mais putain trop chiant à l'aide. Je savais pas. Putain. L'aide. Allez, ça charge, j'admets la défaite. Comme désolé. En plus t'auras pas de dégâts. De toute façon ça finit au prochain tour. Ouais. Même si j'arrivais à prendre une ville à Eventis, à Sansou, ce qui est déjà assez improbable, il aurait quand même plus 3, donc il gagne. Slaanesh, c'est... En fait, je trouve qu'il y a tellement peu d'options dans le roster de dégâts anti-large et de trucs un peu... C'est un peu mon regret avec beaucoup de factions de démons dans ce Total War Warhammer 3. T'es vraiment cantonné à un playstyle. Ouais, pour T'es vraiment le moment, cantonné ouais. à un seul ouais. playstyle et c'est si dur contre certaines factions, je trouve. Genre là typiquement c'est la neige contre les ogres mais tu pleures hein. Tu pleures du sang hein, genre c'est pas le match-up le plus favorable ouais. C'est hyper dur genre. Il faudra attendre les premiers DLC pour donner un peu plus d'options à toutes les factions et effectivement avoir avoir un petit peu plus de diversité dans le gameplay. Bah au début du 2 et au début du 1 c'était un peu pareil hein. Il y a des factions qui étaient vraiment ultra spécialisées mais peut-être un peu moins que les démons quand même. Les démons sont vraiment très 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 typés. Ouais, je sais pas, j'avais l'impression que les rosters étaient plus gros, moi, à la sortie de Warhammer 2. Mais non, après, c'est peut-être non. Ma c'est vision est déformée à cause des DLC au fur et à ouais, mesure. Ouais, je t'assure, c'était à peu près équivalent. Ok. Il y avait que 4 factions à la sortie du 2. Oui, là, il y en a aussi. Beaucoup plus. Aussi. Ouais, mais tu vois, je pense que je préfère 4 factions qui ont plus de rosters que plus de factions qui ont des rosters plus légers, tu vois. Mais c'est à peu près la même chose. T'as vraiment pas grand-chose. Ok. Oui, souvenez-vous des Skaven au début de Warhammer 2, quand ils n'avaient ni les bêtes mobiles, ni les trucs hyper pétés, les roues, les trucs. Bah moi, je me souviens, ça a été ma première campagne avec le clan Pestilence et ça s'est bien passé, tu vois. Bah une campagne Skaven, ça se passe toujours bien. Bah ouais. Non mais je sais pas, c'est juste le bail de la tir, fin. Du tir. La mécanique de la fin qui voilà, c'était la galère un peu. Je peux pas attaquer du coup hein... Non. D'accord. Très bien. Ah ben ça va faire une demi-heure la bataille tout ça. Vu qu'on en est là de toute façon c'est la fin. La bataille. Oi oi oi. Ah là là. Je suis dégueu, j'aurais pas fait de bataille. Oh y'a toute la garnison. Allez bah c'est non, bon. Tu vises mes villes où y a pas d'armée donc forcément tu fais pas de bataille. Pour lui laisser la victoire. Ah merde. Y'avait une armée avant, j'ai pas vu partir. Putain j'ai pas vu. Fait, C'est pour ça, je pensais qu'on allait se battre.
Je vais regarder. J'avais pas vu que t'avais mis la réseau auto. Bon, j'hésitais, je me disais, bon, allez, une dernière avant de te laisser la victoire, parce que de toute façon, t'as gagné. Ouais, moi, je pense, dans son format actuel, la coop de Warhammer 3, je pense c'est idéal à 3 ou 4 joueurs. Mais pas en affrontement, en coopération. Je pense que c'est le chiffre un peu idéal, 3 ou 4 max, tu vois. Je pense que 3, ça doit être vraiment, vraiment bien. Mmh. Ouais, 3, ça doit être sympa. Après, s'il y a ce type de coop, mais en Mortal Empire, ça peut être sympa aussi. Oui, oui, mais en fait... Genre, tu peux choisir une petite zone, genre, tu vois, genre Ultuan, ou juste le Vieux Monde, ou... Ouais, ouais, et puis tu fais pas, ton start... Genre, des zones différentes comme ça, et ça peut être fun aussi. Oui, et puis tu fais ton start en fonction de quoi. C'est ça. Mmh. Non, je vois ce que tu veux dire. Mais pour le coup, le côté pause constamment quand il y a des notifications, c'est... Wow, c'est ouais, ça, quoi. C'est dur. Hein. Ça, c'est vraiment à la longue. À 6 ou 7, c'est vraiment... C'est vraiment compliqué. Il y a vraiment beaucoup d'arrêts. Ouais. Et encore. On s'est pas beaucoup attaqué. Hein. On aurait pu être beaucoup plus agressif, hein, vu la rapidité de la partie. C'est clair. Mais vous la jouez vraiment, du coup ? Bah là, on attend que ça charge. Ah bon ? Bah moi, je vois tout le monde dans la game. Ah, ouais, pareil. Placé. Moi, j'ai cliqué sur prêt, mais il y a le décompte. Ah oui, c'est une embuscade, c'est pour ça. Ouais, en plus. Oh, les embuscades avec Tinge, quoi. Allez. J'avoue que les embuscades de Tinge, c'est surprise. Oh là là. Oh le beau DL. Oh putain, il a le spell de Dark Souls, le brouillard d'âme. What the fuck, c'est quoi ce truc? C'est un des vortex de Tinge. Ah ouais. Big Papa Magic, hein. Ah, c'est clair. C'est un peu comme la bine de noirceur, celui-là. D'accord. Oh, le Mastorok, qu'est-ce qu'il met des patates. Ah ouais, mais il touche pas le broyeur d'âme. Vraiment. Mais c'est que la bataille se passe pas si mal que ça. Je m'attendais à ce que ce soit une cata. Les renforts arrivent. Ah oui, c'est vrai. Il suffit d'être gros et gras et tout se passe bien dans Warhammer 3. Ouais, on dirait bien. Le gras, c'est la vie. Le gras, c'est la vie, toujours. C'est quoi les renforts, c'est la garnison? Ouais. Les lance-flammes, les incendiaires de Tsinch au corps à corps, c'est de la merde, non? Ouais, oui. Ok. Incendiaire exalté, c'est pas clair, hein, quand même. Il y a... Quand tu vois les dégâts que peuvent faire les incendiaires normaux, ici, c'est... Je sais pas. Un peu du mal avec cela. Ah, il résiste bien quand même à ce sort, hein, les ogres. Hein. C'est ouf. Ouais, ça encaisse. Ah. C'est l'ouverture de la Paris Games Week derrière. Je suis arrivé en colonne. C'est au petit comme déplacement, hein. C'est ça.
hungry. Overwhelm them. Take it all. Run for it. Killing time. Dig it. What? Serve the ogres. J'ai une unité qui veut plus tirer. Bon. Ils ont vu comment Tinch tirait, ça les a dégoûtés. Ouais. Ils se sont dit ça sert à rien de lutter. Ça manque de tête enflammée, ça aurait été bien. Hein. Ah, une petite tête enflammée qui rebondit dans ses propres troupes là. Ah oui. Ça manque plaisir. De ça toujours. Bon, bah bien joué sans sous. Ouf. Merci. Bon. J'ai capturé 5 villes d'IA en réseau auto et voilà. Ouais, c'est un peu ça le souci en fait. C'est genre. J'ai l'impression que, genre par exemple, quand je regarde Eventis, son spawn, il était littéralement entre Fred et moi quoi. Mais ouais, je pouvais pas trop avancer parce que ben ouais, je m'attaquais à vous directement. Ouais, c'est ça. La position de. de Griesus. Ah oui, j'avais pas vu. Il est déjà avec les pattes levées en mode. Ouais. Sims sont trop forts. Ça a l'air fort, Sims. Ouais. Trop fort, je sais pas, mais ça a l'air très très fort. Hein. C'est hyper fort, ouais. Moi, je trouve que c'est une des meilleures factions du jeu. Allez, finissons le tour. C'est la fin. Bah, en fait, il faudrait peut-être pouvoir paramétrer avec un peu plus de points et limite qu'il n'y ait pas d'IA sur la carte. Oui. Ça pourrait être bien aussi. Bravo. Impossible. Grixis doesn't lose. I foresee death. Pourquoi je peux pas faire fin de tour? Ah, je... Ça continue de se taper. C'est sans sous. Il n'arrête pas, il ne se lâche pas. T'as l'attaque éclair sans sous? Ouais. Oh. C'est Kairos, il a vu l'avenir. Ou le passé, on ne sait pas. On ne sait jamais avec Kairos. Oh là là là. Mais l'armée, quoi. Et puis les rébellions aussi. Limite, il faudrait qu'ils débranchent le système de rébellion pendant ce genre d'affrontement, vu qu'on a vraiment pas beaucoup de temps pour se taper. Je pense que ce mode de jeu, il est pensé pour que tu joues à 8. Parce qu'en vrai, si j'avais eu un joueur KT à côté de moi, ouais, ça aurait été moins simple. C'est vachement plus dur. Ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai. GG ah sans bah, sous. Putain, on ah avait bah, une bataille bravo. De fou qui arrivait avec Marmotte. Ah merde. Ah ouais, ouais, pff, ouais, ouais, ouais. Je pense ouais. que ouais. Bon, c'est pas une bonne idée cette campagne. Hein. Bah... Enfin, dans les faits, pourquoi pas. Mais en vrai, c'est trop. Ouais, il y a des trucs heures, à revoir. Il y a des trucs sympas, mais il y a des trucs à revoir, honnêtement. Pour ouais, un truc ouais. qui va aussi vite, on passe beaucoup trop de temps sur l'IA, donc il en faudrait moins, faudrait qu'on se tape dessus ça. Beaucoup plus vite. They tried. Ils ont essayé, mais ça marche pas. Ça marche pas malheureusement là. Il est parti Fred. Fred il dort là, il en a ras le cul. Il attendait que ça finisse. Tout ça pour ça. T'es là Fred ouais. Non. Oh, il est pas, je pense ça pour un nom. Et on entend son micro un peu, il s'active son micro. Ah, pardon. Ouais, il dormait. Bon bah voilà, ouais, bon écoutez, fallait tester. Hein. Ouais, bah on a vu, ouais. Mais clairement, oui, je pense que... Après, je sais pas, quelqu'un a testé le truc qui se lève à 3 là? Non. Ah, c'est pas du tout pareil à mon non. avis. Ouais, je pense. Bah ouais, ça a l'air de se jouer vraiment purement sur la zone du qui se lève. C'est un peu zoomé et tout. Mais ouais. non, je pense que la campagne à faire, si on veut faire une campagne à plusieurs, c'est les Royaumes du Chaos, quoi. Royaumes oui, du Chaos, bah, mais pour bon, moi, j'irais même plus loin, Empire Mortel. Hein. Oui. Quitte à ça, franchement, Empire Mortel, hein, parce que... Le 18 mars. Clairement. Voilà.
Parce que là, le toutes les factions et la map normale qui arrive. Ouais, ouais, il a annoncé map. D'accord, cool. Ça va aller beaucoup trop loin. J'ai trollé le chat avec ça la dernière fois. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont en train de relayer cette info. Oui. Non mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Non, non c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On sait pas, mais en gros, il était sorti un mois après Total War Warhammer 2, le Mortal Empires. Donc bon, on peut s'attendre à un ou deux mois, tu vois. Moi, je pense plutôt deux mois, vu que ça va être encore plus vénère comme taf de relier les deux. Par contre, mais, vu que le jeu a pas mal de problèmes techniques pour le moment, ça risque de repousser un peu la sortie de Mortal Empires. Parce qu'à mon avis, là, ils sont en train de faire du bug fix à crever et de l'optimisation pour les configs un peu plus petites qui ont du mal. Parce que là, ils ont des trucs à corriger avant, quoi. Attends, je reviens. Voilà, voilà. Ok. Bah, on va se laisser ici, du coup. Vous voulez faire une partie FFA avant de partir ou... FFA, ah oui, il y a le mode multi. Bataille classique. Ah, il y a le mode bataille, ouais. C'est vrai. Surtout qu'il y a des nouveaux modes de jeu. Des nouveaux modes de jeu. Ouais, domination. Bah ouais, on peut essayer ça. Tiens, bah je vais faire. Attends, je vais. Bah, histoire 2, tu vois. Histoire que je puisse jouer. Ah, c'est j'avoue chaud. Que moi j'ai pas fait de bataille non plus. Ah, c'était pas très fun pour moi. Bah, moi non plus. Bah, vas-y, c'est, on va. On en va fait, tester j'ai jamais pu me battre avec mon armée principale parce que la seule bataille que j'ai fait c'était avec une armée secondaire du coup. J'ai créé une game qui s'appelle MAF. Le mot de passe est 1234. Ok. Pas censé ne pas le dire. Bon, si quelqu'un rejoint, je le vire. Bah, c'est le mode domination, le nouveau. Ça peut être pas mal d'essayer ça. C'est aussi un système de points. Il faut capturer des zones. Et en gros, quand tu captures des zones, tu gagnes des points qui te permettent d'acheter des nouvelles troupes pendant la bataille. Je vois pas ton truc. Hein. Moi non plus. Non plus. Ouais. Pareil. Ah bon ? Attends. Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? T'as pas créé une bataille non multijoueur ? Bah non. Pourtant, il y a pas d'option à cocher machin. Vous voyez pas ? Non. T'as écrit MAF avec un 4 ou un A ? Ouais, un 4. Oh, je trouve pas. Non, y'a rien. Bah, putain, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il y a? Vous cherchez quoi? Bah, j'essaye d'héberger une bataille, juste une bataille multi. Ah ouais? Bah, le mieux c'est que tu nous invites, non? Yes. J'avoue. Mais le problème c'est. Ah, mais non. Est-ce que c'est pas parce que t'es invisible? Oula, oula, oula. Ça, c'est toujours le problème, Maf, il est toujours sur invisible Twitch. Pour montrer qu'il joue pas à Total War Warhammer 4. C'est ça, un Total War 40k. Bien sûr. Total War 40k, hein, c'est... tu t'as l'info d'ailleurs. Bien sûr. Bien sûr. Ça. Il sort quand du coup ? Inviter un joueur, ça le fait. Le 18 mars. Qu'est-ce que c'est aussi. Tout sort le 18 mars. Quand je fais inviter un joueur, ça me fait un code maintenant. Partager ce code. Mais qu'est-ce que ouais, c'est ouais, je sais pas. C'est chelou, c'est nouveau. Attends. Et ça fait un code, c'est si, bizarre. Si je vous l'envoie par Discord, du coup. Bah, envoie-le par. Oui, oui. Mais le sur TS, hein. Parce qu'on peut rejoindre avec un code, nous. Ouais, mais non, c'est pas le même PC. Ça fait de la merde. Ah. Par contre, Discord. Je vous le mets sur le truc. Par contre, je sais pas où il faut le mettre. Dans salon, on peut rejoindre avec un code. Ah. Salon, on peut rejoindre avec un code. Ouais, tu vas dans salon multijoueur. Et en bas, t'as rejoindre avec un code. Après, ça me demande un mot de passe, par contre. Après, ça demande le un, mot de deux, passe. 1, 2, 3, 4, ouais. Il nous l'a donné. Ah, je suis en campagne, c'est pour ça que ça marche pas. Ah bah apparemment, c'est bon. Ok, parfait. Oui. Vous voulez essayer le mode domination ou vous voulez faire un truc plus classique? Ah, j'avoue que mode domination, je sais pas comment c'est... Je sais pas à quoi ça ressemble du tout. Bah en gros, c'est un peu comme une bataille de siège avec des points capturés. Quand tu captures un point, quand tu captures un objectif, tu gagnes des points. Et tu peux dépenser tes points après pour faire venir de nouvelles troupes. Vous avez mis où? Ah, le code est là, ok. Et voilà. On peut tester. Hein. Ça a l'air assez particulier. Le mot de passe, c'est quoi? 1, 2, 3, 4.
Ah, y a un code et un mot de passe. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ça aurait pu être plus simple, plus compliqué encore. Il manque plus que Fred. Attends, c'est... Ah oui, d'accord, tu fais ton deck... Ah oui, là, je... Ouais, c'est ça, tu fais ton deck et... Moi, je pense que je vais la caster, celle-ci. Il y a moyen d'être en spec? Je peux... C'est juste qu'on... Je vais ajouter un spec, mais par contre, on va être en 3 contre 2. Non, mais en vrai, moi, je vais, j'ai de la bouffe qui arrive, donc je vais regarder aussi. Vas-y, attends. Alors, du coup, on peut rejoindre en... Rejoindre avec un code. Tu peux pas te switch vers spectateur? Maintenant que j'ai ouvert. Attends, je regarde. Non. Non. Je peux pas. Ça c'est con ça. Bah à mon avis, faut que tu rentres dans la game en mettant en spectateur. Moi j'ai plus. Ah putain, mais en fait, ouais. Ok, l'onglet de recherche il est bugué de ouf parce que genre je vois ta partie pop et ensuite elle disparaît instant. Et comme c'est le seul moyen de rejoindre en spec. Bah on me dit dans le chat que le multi est bugué à fond. Ah bon? Ah. Ah. Moi j'arrive pas. Plus on avance, plus on découvre des problèmes. C'est ça, on a commencé la soirée en disant ouais, il est bien, le jeu est bien optimisé. C'est cool, ouais. Le système de bataille qu'ils ont fait. C'est sûr, à la fin ça marche pas. Franchement, il y a rien qui marche, ça casse des couilles. Conclusion, c'est de la merde. Ah ouais, j'avoue. Non, mais on va la jouer, J'arrive. Partie pleine, let's go. Ah, j'avais viré le truc. Vas-y. Ah, mais par contre, on peut rien acheter. Ah, je te voyais à ta partie, je pouvais te... Bon, c'est merde. Ok. C'est bon, là. Ouais, l'armée de base, tu peux pas mettre grand-chose. Hein. Non, vraiment. Bah, tu peux rien changer, quasiment, moi, je trouve. Ah, parce que niveau armée de base, on a combien de fonds? Ah oui, pas beaucoup. 5000. 5007. C'est pas dingue. Non, c'est pas dingue. C'est pas fou. Par contre, n'oubliez pas, il faut cliquer sur armée principale, remplir votre truc, puis cliquer sur armée de renfort et remplir le deuxième. En fait, dans les renforts, tu peux mettre beaucoup plus. Quoi? Dans configuration d'armée, tu vois, tu as ton armée principale, donc tu te fais ton deck d'armée principale, puis tu cliques sur armée de renfort et tu fais ton deck d'armée de renfort. D'accord. Ah, armée en renfort, ok, d'accord, ouais, j'ai compris. Compris. Alors, si vous êtes comme moi et vous cliquez sur le petit auto-remplir, vous pouvez auto-remplir autant de fois que vous voulez jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui vous plaise. Ah oui. C'est bon, je suis prêt. Mais j'ai aucune idée de quoi prendre. Let's go. C'est pour ça que j'utilisais le bouton auto-remplir, parce que je ne sais pas quoi faire. J'ai aucune idée de quelle faction prendre. Allez, on va dire que c'est bon. Ouais, c'est bon.
Allez, moi aussi. I'm ready. Nata, je suis pas prêt. Hein. Moi, je go Doom. Ouais, je suis prêt. Je nous change de canal. Vas-y. Allez, bonne chance. Bonne chance. Channel switched. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Eventis qui joue Nurgle. Ah bah alors, c'est oui. Le plus proche de ce qu'on a trouvé d'un nain. Bah ouais, c'est long et c'est pas et trop dur. Ouais, et ça pue. Ouais. Doucement, hein, doucement. Hein, fais gaffe. Pas beaucoup par contre. Je pourrais mal le prendre. Ouais, ça tire pas beaucoup. Non mais en vrai, j'ai testé les factions, j'ai pas trouvé grand chose qui me convient dans celui-là. Non. Je vais attendre que quelque. Enfin, en même temps, je suis pas très expérimenté dans le genre, donc bon. Katet, t'as essayé? Non. En vrai, mais Katet, ça me tente pas des masses. Trop cool. La mécanique de caravane et tout, je trouve ça vraiment sympa. Ouais, c'est pas mal. Par contre, effectivement, ouais, ils ont Katet et Tsinch en face. Ouais, ça va tirer. Ouais. Mais par contre, vous avez de quoi les attraper, quoi. Enfin, surtout toi, Sansou. Ouais. Eventis, il va attendre les nains du chaos. Tant de caves que ça. Ah, c'est parti. J'ai pas encore essayé le mode domination. Oula. Ouais, donc il y a vraiment des points à capturer et ça va nous donner des points qui nous permettent d'acheter plus de troupes. C'est tout ce que je sais du truc, j'ai pas encore testé. Et il y a des points stratégiques à capturer au centre pour la victoire. Ok. Je me sens rassuré. Ça va bien se passer. En vrai, va sur le point 1, toi. Ah bah, vu avec comme je suis rapide. Il va sur les 3, lui. En vrai, c'est peut-être une strat, hein. Tu splits tes troupes, tu prends les 3 points, et puis on essaye de les défendre. Qui c'est à moi? Bah oui, c'est toi qui casse ouais, la ouais. Neige. Je vais essayer ça. Eventis, il arrivera sur la zone de front quand on aura fini la game. Il arrivera demain matin, lui. Quand j'aurai plus d'unités. Ouais. C'est ça. Là, vous voyez les points de ralliement sur lesquels on peut cliquer pour faire venir les renforts. Ouais. En fait, tu cliques sur un point de ralliement et puis après, en bas à gauche, il y a un bouton appeler les renforts. Et en cliquant là-dessus, ça va vous ouvrir un panneau qui permettra d'acheter des troupes supplémentaires pour venir sur le point de ralliement sélectionné. Ok. Ah, ils sont verrouillés pendant 3 minutes. Ah. Je sais pas, j'ai jamais testé. Je vais investir moi le point 1 ce sera ma maison. Ok. Moi je vais viser le 2. Comrades of the Bear. L'alliance improbable. Non, par contre, Sansou, toi t'as une. Eventis, t'as une artillerie plutôt correcte. Avec c'est mon héros. Papa Kougat. Et il est posé en train de chill. J'avoue. Elle arrive cette bière. Bon, merde là, non? On se fait chier là. Allez, c'est parti là. Je vais essayer de venir t'aider sur le point 2, je pense. Si on arrive à sécure 2 points, je pense que c'est cool. Ouais.
Et après je backdoor sur le point 3 au pire. Bah on va voir où... Ouais, on va voir comment ça se peut... Comment ça se prépare. Ah, il y a de l'aérien. Super. Mais alors du coup quoi, il faut vraiment attendre 3 minutes. Attends, ils ont quoi? Oh là là, les artilleurs, tout le bordel. OK. Ah oui, mais on peut déjà acheter du renfort. Déjà maintenant? Ouais. Ah, t'as les points comme une bataille de siège qui sont en train de se déverrouiller. Ah oui, je suis en train de déverrouiller des trucs. OK. Attention, il commence à tirer avec ses artilleurs là. Oh putain. Je sais pas trop comment on va faire avec ça. Ça va être difficile de. Mais qu'est-ce de que prendre j'ai le foutu mine, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi j'ai ça? Comment je me retrouve avec le mauvais truc de magie? En fait, j'ai mon seigneur qui s'est reset. Ok, d'accord. Tous les trucs que j'avais paramétrés sont virés. Ok, très bien. Ah, la range! Bah ouais, c'est comme des Jedi. Tous mes trucs sont virés. Oh, attention. le bac directement. Aïe, oh, Scarbrand. Je l'ai debuff son seigneur. Oh, les patates qu'il me met. Ah oui, il va gagner hein. Je pensais qu'avec le debuff je pouvais faire quelque chose. Non, en 1v1 il te tue. Par contre si tu le contournes et tout, il y a moyen hein, mais en 1v1 il te tue vraiment. Il est en train de se faire défoncer là son héros là. Ah là il prend cher par mes tireurs, oui. Oh la vache. Ouais c'est rien, ça fait pas trop mal. Ah ça y est, Kougat qui s'assied sur le sur le point. Ouais faut prendre le point au centre là par contre. Ok, ouais, la bonne nouvelle c'est que Scarbrand il est super mal. Essayer d'aller lui finir son héros. C'est spécial hein, comme mode de jeu. Ah, c'est sympa. Ah, ça change. Alors, est-ce qu'il revient Scarbrand Sama? Bon, j'ai buté son... mon héros. Ok, pour l'instant on a le dessus au point. Oh, ça se passe pas trop mal.
Enkari qui se promène. Prendre le point au centre. Ah, j'ai tout perdu moi au centre. T'as fait venir des renforts déjà? Ouais. J'ai oublié. J'ai perdu Naikari. Ah, elle est morte. Non. T'en sors. Ah, ils ont repris le point 2. Malheur, l'ennemi a tué le seigneur de notre allié. Ah putain, j'ai perdu mon seigneur. Enkari ? Ah. Merde. Je l'ai oublié. Pas grave. Coup dur. Il faudrait aller attaquer quoi là ? Faudrait récupérer le point du centre. Pour l'instant, le point à droite, c'est bon, on l'a, mais... Au centre c'est compliqué, en plus ils sont en train de... Alpha il est en train d'avancer avec ses guerriers de cornes, donc ça va pas être facile à tuer. Mais putain moi j'ai plus de renfort ou quoi? Ah si. Putain mais il me saoule en plus à attaquer mes arrières. Mais sérieux quoi, les hurleurs j'arrive pas à les tuer. Je suis en train d'y aller sur le point du milieu. Ok. En train d'essayer de choper leur renfort. Pour l'instant, j'essaie juste de les mettre un peu sous pression au centre. Je vois vraiment tout ce que j'ai au centre. Ouais, vas-y, vas-y. Oh, c'est quoi ça? Aïe! C'est stylé ce mode, en vrai, j'aime bien. Ouais, ouais, c'est pas trop mal. C'est vraiment cool. J'aime beaucoup aussi. Sans sous. Regarde ouais. Le point 3, on peut le prendre avec ton unité de cave et la mienne avec les ours. Ah ouais. Vas-y, accroche-le, je le charge. Là, t'es sur son flanc, là. Voilà, nickel. Comme ça, limite, c'est pas trop la peine de s'énerver au centre, parce que si on reprend les deux autres, bah c'est bon. Ouais, clairement. Ok, ça va partir vite. Je laisse recap. Aïe. Il faut faire gaffe à notre point 3 du coup. Hein. Ouais. Je vais essayer de finir de briser leur morale au centre. J'ai un sort qui peut faire ça. Ok, bah le point 3 il est bon là. Le point 2 aussi.
Là j'ai plus de renfort donc on a claqué tout notre argent, c'est ça? Ouais. Ouais. C'est ça. Pareil, j'ai plus rien. J'ai encore 1200 en stock, j'ai co. Bien claquer une abîme de noirceur, mais y'a rien à claquer. Oh putain, y'a un ballon. Ouais. Attention, c'est une jonque avec avec j'ai les pris fusées zéro quoi. Volant, moi. Oh, y'a une sentinelle aussi. Ah ouais? Ouais, une sentinelle terre cuite. Ah ouais, je la vois. Hostile ces unités. À fond. Ça, ça va être plus compliqué. Le mid, je les ai dégagés, hein. Ça dégage. Hein. On a tout du coup. Ouais, on a tout. Ah, on a tout. Là, nice. On stack beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Il y a juste des artilleries là qui me tirent dessus, c'est chiant, mais. Je suis en train de sniper le seigneur d'Alpha, je crois qu'il l'a pas vu. Je lui tire dessus de super loin. Ponks ! Eh ben, c'est bon, je l'ai eu. Je vais essayer la jonque. Oh bah là on est bien hein. Pas sûr qu'il puisse revenir encore. Ah ça paraît chaud là. Ils vont essayer de reprendre le point 3. Ouais, j'ai de quoi le défendre moi le point 3. Point 1, ils sont en train de recap. Point 1 ? Pas grave, on a ouais. Presque gagné. Ah oui, c'est de la cavalerie qui nous défonce le cul. Ouh, c'est des massacreurs en plus. Wouah, ils vont faire mal. Ah ! Oh, il a fait revenir son héros. Ah ! Ouais, vous pouvez téléporter, vous pouvez TP back des unités en fait, pour qu'elles reviennent après. Bon bah voilà. Oh, let's go. C'est particulier comme type de bataille. Hein. J'aime bien, ouais, mais c'est mieux rythmé. T'es beaucoup plus stratégique et tu peux difficilement camper. User was moved out of your channel. You were moved. GG. C'est spécial comme bataille, hein. C'est cool, moi je trouve ça sympa. J'aime bien. Putain, au début, j'ai vraiment fait le pire spell pour Scarbrand. Il bougeait plus, cet abruti. Je lui ai mis le spell qui était rage. Il pouvait plus, il bougeait plus. Alors qu'il était en rage, il était genre énervé sur place. Et il y avait full tireur. J'étais là. Ok, c'était la pire chose à faire possible. Genre, il a juste pris la sauce, le pauvre. Putain, mais non, c'est cool, franchement, c'est sympa. Ah, c'était vachement cool. Ouais. J'aime bien le côté dynamique. Après, c'est vraiment le giga bordel à 3. Mais quand même, j'ai trouvé que c'était sympa comme concept. Ouais, c'est rafraîchissant. C'était, ouais. En tout cas, pour des débutants, c'est plus facile de comprendre parce que comme tes unités arrivent au compte-goût, t'as pas une masse à gérer dès le début. Ouais, enfin, t'as beaucoup moins à gérer. C'est... Ouais, c'est vrai. Ouais, puis la capture des points de contrôle et tout, c'est intéressant, c'est un peu plus tactique et y a moins ce côté camp. T'es un peu obligé d'y aller quoi. Ah ouais, tu peux pas quoi. Ouais. Et par contre, le canon à crâne, c'est de la merde, hein, côté corne. Hein. Ça a zéro précision, j'ai l'impression. C'est pas super précis. Par contre, ça fait mal quand ça touche les blobs d'infanterie, mais c'est. Bon, corne, c'est pas fait pour tirer à distance. Ouais, mais bon, j'ai essayé du coup, c'est pas ouf quoi. C'est pas ouf. J'en reprendrai pas, je pense. J'en reprendrai pas des masses. Par contre, les massacreurs de cornes, ça a l'air c'est sympa comme carte. Oui, oui, ça c'est, ça c'est la subtilité. Ça c'est sympa, ça. C'est bien sympa. Ouais. Eh ben, écoutez, je sais pas, vous voulez en refaire une ou ça décale ? Qu'est-ce qui... Moi, je vais stop là. Ouais, pareil. Ça roule. Ouais, c'était je crois très que... cool. Ouais, ça valait la peine d'essayer ce mode domination. Ça vaut la peine de. Ouais. Je pense qu'on en fera. On en fera parce clairement. Que c'est vraiment sympa. Et ça encourage à être plus dynamique, plus agressif et à penser des compos différemment. J'aime bien le côté les renforts qui arrivent et tout. Genre là, j'ai fait venir mon canon en renfort et il était direct à portée quand il a pop.
Ça pouvait... Tu peux faire des plays un peu surprenants, je pense comme ça avec certains renforts. Ouais, et notamment... c'est qui jouait de Cinch? Fred, avec tes hurleurs qui me poursuivaient, qui venaient chercher mon canon, mais du coup mes renforts popaient sur le canon. Enfin ouais, il y a vraiment des moves comme ça, où t'as un moyen de revenir par rapport à ce que fait l'autre. Des trucs qui deviennent très dangereux à tenter comme mouvement, c'est vraiment sympa. Ça change ouais. Beaucoup. Non, vraiment, c'était très sympa. Franchement, c'est domination, c'est ça mode c'est domination. Ça, ouais. C'est ça. Je pense qu'on en refera, car on fera se refaire une petite soirée dessus. Ouais. Mais bon, pardon. Verdict sur la campagne, messieurs. Il y a à boire et à manger, hein. Bon, il y a... Ouais, on va dire que c'est pas clair, quoi. C'est... En fait, il faudrait qu'elle soit un minimum customisable. 30 tours, 30 ouais. Points, c'est... 30 tours, ouais. C'est pas et assez, quoi. Et c'est un peu unbalanced... En fonction du nombre que t'es, des factions que tu prends, moi j'étais trop peinard. Ouais, ouais. À part Maf qui m'est rentré dedans sur la fin et Fred qui a essayé de me prendre une ville, j'ai combattu personne. Ah bah. Et j'ai juste pris 5 villes de l'IA en réseau auto en plus. Donc, Ouais. Ouais, c'est. Il faudrait des aménagements, vraiment. Il faudrait pas d'IA, pas de. Pas moi, j'ai start avec une capitale niveau 4. Mais on commence tous avec des capitales fortes. Hein. Ah ouais? Ouais, ouais. Oui, tout le monde start avec une bonne capitale et beaucoup d'argent et tout, mais ouais, plus l'impression qu'il te propulse dans un scénar en mode allez, maintenant battez-vous vite. Ouais. Et, j'ai pas de capitale, moi. Bah, si, normalement, tu commences à une ville niveau 4, non? Bah, j'avais une ville mineure. T'avais... Ah bon? T'avais une ville mineure une majeure. J'avais une capitale. Ah ouais, j'avais une ville mineure, moi j'avais une ville à 3 cases. L'arnaque. Ah merde. Voilà, tu vois, c'est... Ouais, enfin. Ouais, du coup c'est pas très balance, ouais. Ouais. Ouais, non mais bon, après ils ont essayé. Mais moi je pars du principe que s'ils veulent faire un bon mode coop à 8, il faut juste que la map, enfin le mode de campagne classique soit jouable à 8 en fait. Pas qu'il y ait des petits scénars comme ça à moitié, c'est pas... Que tu peux pas le faire. Bah si tu peux, mais le problème c'est que là, tous les prompts qui t'empêchent, tu sais, genre, on entend Yantis dans ton micro, tous les prompts qui pop et qui te... Ah oui. Et qui t'empêchent d'avancer quand t'es 8 joueurs, mais quel enfer. Ouais, quoi, ça c'est infernal par contre. C'est super frustrant quoi. Bah je crois que le mode coop, le mieux c'est 2 ou 3, parce que vu que maintenant t'as les tours en simultané, ça c'est quand même beaucoup plus confortable en coop. Ah c'est clair. Et du coup quand il y aura Mortal Empire et qu'on pourra jouer à 2, 3, voire 4 max, ça va vraiment être sympa. Ah de ouf, non c'est clair. Bah, même à 8 je pense que c'est faisable s'ils arrivent à faire en sorte que t'aies pas ce pop-up qui t'interrupt dans ton truc quoi. Ouais en vrai sans le pop-up c'est top. Sans le pop-up c'est trop bien. En vrai je pense que c'est faisable à 8. Hein. Il y a moyen. Mais le problème c'est que si tu joues à 8, pour les starting pause il y en a forcément qui seront à perpète. Et pour les rejoindre ça va mettre 1000 ans quoi. Mais après l'objectif c'est pas forcément de se rejoindre, c'est juste t'es en mode chacun fait sa vie de son côté et du coup tu vois différents types de batailles. C'est ça parce qu'au final même si tu fais pas des batailles avec ta faction contre la faction des autres, tu peux quand même empêcher les autres de gagner à l'autre bout de la map, tu vois. Oui, il y a un peu ça. Tu peux quand même jouer contre l'autre sans être à côté. Oui, je vois ce que tu veux dire, Je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, en tout cas c'était marrant, c'était sympa d'essayer, on a vu à quoi ça ressemblait. Mais ils ont encore un peu de taf. Ils ont encore un peu de taf pour rendre ça nickel et que ce soit vraiment très jouable. C'est pas encore au niveau d'un Civ ou Humankind, niveau jouabilité à 8. Humankind, c'est clair que là, tu peux faire des batailles en même temps que les autres font leur gestion et tout. Enfin, c'est beaucoup plus facile au niveau multi, quoi. Coop. Ouais, c'est clair. C'est clair. Enfin, c'était bien plaisant. Ouais, carrément. De tester ça. Ah, c'était cool. Moi, je vais vous laisser ici aussi. C'était cool. Yes. Oui. Et puis, des bisous. À bientôt. Des bisous. À bientôt. Bonne soirée à tous. Des bisous. Bonne soirée. Salut pour les games. Bye. Ciao. Disconnected. Zoup. Et ben voilà, YouTube. On s'arrête ici. Bon, on aura testé. Bon, je crois pas qu'on en. Je crois pas qu'on en refera de la campagne comme ça. Multi, affrontement, tout ça. Enfin, sauf s'il fixe ce genre de problème. Mais bon, c'était cool à tester. Par contre, le mode domination, c'est vrai qu'il faudra qu'on en refasse parce qu'il y a moyen de se marrer là-dessus. Des trucs assez particuliers. Allez, des bisous, à bientôt. Bye bye.